Carrefour de l'aéroport, des collaborateurs nous Clonel et Antoine qui informaient nous, eh bien, gagné plusieurs policiers kenyans qui mettaient pied à terre dans la zone Carrefour aéroport, devant un ancien tribunal de paix dans Badelma. Eh bien, que trois blindés modèle M-Rapio mettaient avec plusieurs autres blindés noirs que nous connaît la police de recevoir. Qui donc, ça y est, c'est déjà de signes qui montrent que, et force de l'ordre dit que, yo pas abandonné Badelma. Tout autant que yo pas repris contrôle Badelma, Jean que PM Gary Konite Dilan, et Kay en Kay, quartier en quartier, maison en maison, ville en ville, Jean que PM Nante Dilan. Donc ça montre qu'il y a clair que, et gen une détermination, gen une motivation, la Kay autorité yo, nan pi haut niveau, la Kay PM Gary Koni, la Kay et conseil présidentiel yo, la Kay de Gérard Monomil, la Kay chef la Médaïtien, la Kay chef mission la Médaïti. Qui donc, monsieur, dame, ça y est, comme de autorité en d'un pays, qui ont une véritable mobilisation pour que yo capable d'abord résoudre problème qui gagne dans niveau Badelma et désir venez que on croit en pile monde capable garder et plusieurs vidéos que barbecue fait dans journée te mardi 3 septembre 2024 là mais vidéo ça montrer à travers expression visage barbecue dans vidéo ça yo c'est un barbecue qui paniqué, c'est un barbecue qui choqué, c'est un barbecue qui a perdu plume. C'est un barbecue qui a changé langage. Parce que nous capables, barbecue, dans le premier titre, dans notre vidéo qu'il t'a fait, il te prend, selon pile monde, il prend un nègre dans le mi-temps, il fait habiller avec uniforme la police, cagoule et gilet pas balle, casse dans la tête, gros âme dans la main, et ou te, il faut faire qu'on est que, pendant que la police a mené opération, il y a des policiers qui ont rejoint. Et puis, nous comprenons que ça, c'est des diversions que vous qualifiez, que barbecue a fait. Après ça, barbecue fait vidéo tout de suite. Encore pour montrer que policier yo a crasé, a brisé, alors que lui-même ni dans niveau Badelma, li pa gen rien. Il dit policier a crasé et lui-même li va monter comme crasé. Et après troisième vidéo encore, barbecue montre que li prend gaz, la vidéo de sous terre li, l'a craché, l'a prend flemme et il montre que vraiment situation pas douce pour lui dans niveau Badelma, désir Venesse. Et ça dit qui ça? Ça dit que je dis, hein, et mobilisation, hein, focus là, puisque c'est là la police dirigeelle, c'est là l'armée d'Haïti dirigeelle, c'est là officier Kenyon dirigeelle, côté que yo dit, faut que yo joigne et la paix solution dans Badelma, Solino et Andike dans Bel Air. Et Jean que Popo la police, hein, monsieur Michel-Ange je dit là, que la police n'a pas mené opération à Lévini, yo stabilisé en bas, yo consolider un ensemble de espaces dans le niveau Badelma Bel Air jusqu'à ce que yo déraciné, yo déniché bandits criminels armés au cabaye problème. Est-ce que vraiment stratégie pour les dénicher bandits yo et je dis en que force de l'audio utilisé, c'est une meilleure formule, c'est une meilleure solution, en pile que soit posé, mais en pile moun cap suivre et cap observer, yo déjà vraiment à féliciter autorité yo, autorité et force de l'audio, on dit bien, dans quatre gens yo a décider à mener stratégie bataille ça dans niveau Badelma, dans niveau Bel Air pour dénicher ensemble de groupes gang armés qui ont des problèmes en bas. Est-ce que barbecue toujours dans Badelma? Est-ce que barbecue retire qu'on en bas? Est-ce que barbecue demande renfort? Est-ce que barbecue a besoin de renfort? Est-ce que le possible pour que renfort à jeune barbecue? C'est des questions que nous avons posées. Mais force de l'audio, yo quadrillé ensemble des périmètres en bas, et en plus, on dit, la vraiment difficile pour que de nek armé yo même, ta alpoté renfort by équipe barbecue et Kempes nan Bel Air Badelma. C'est vrai, barbecue te dit que yo pral commencer à me monter by réponse avec action la police, yo pral commencer à mettre des fait, yo pral commencer à poser de action, et gede moun ki ta dit que pour matin mercredi, hein, yo ta remarqué quatre côtés qui ta gen de flammes di fait, et la fumée qui a levé. Est-ce que ça t'a dit que nek yo vraiment pas à l'action, on me dit, eh ben, dis-moi, Samyo, c'est des questions qu'a posé. Mais, baba, nous menti, situation pas douce du tout, dans le niveau Badelma, et dans presque chaque CAF, dans presque chaque pointe, il y a une mobilisation dans le niveau ou de l'aéroport, dans le niveau Badelma, dans le centre de peu de choses, qui a une mobilisation, force de l'audio, la police, l'armée et officier kenyan. Desibenes, États-Unis envisagé, ça veut dire, États-Unis gen l'idée pour que yo ta transformé mission multinationale soutien sécurité à Haïtien en yon force onusienne.
Ça me l'a dit par là. Ça veut dire, même si tu as un ministre de la mission des Nations Unies pour la stabilité en Haïti, ça veut dire, il a envisagé pour faire mission MMSS, non, transformer en mission de la paix. Et les questions mission de la paix, qui ça li gen comme avantage et qui ça gen comme inconvénient que nous pral garder ça talé comme ça à travers émission désir m'a dit encore mon frère Anthony Blinken a privé dans pays jeudi 4 septembre nan, Anthony Blinken a débarqué dans pays d'Haïti mais c'est notre toute dernière information que nous gagnons Anthony Blinken monsieur t'a dû rencontrer président conseil transition qui c'est monsieur Edgar Leblanc fils on parler de conseil là il parler de Edgar Leblanc fils est-ce que ça déjà a dit que l'autre conseiller yo pas là encore. Est-ce que ça a déjà dit que ce président tourne n'a pas existé encore que nous pas connait désir. Mais en même temps tout monsieur Blinken a rencontré tout PM Gary Conille, DG Ramon Amil et chef mission Haïti, état major et la meilleur pour garder comment que capable travailler sur question sécurité élection en dans pays. Ça c'est des points qui va discuter et tout de suite après monsieur Blinken, tu as fini rencontrer Mounsayo, il va diriger yo vers Saint-Domingue dans l'après-midi dans jeudi pour aller rencontrer un mes présidents dominicains qui c'est monsieur Luis Abinadel. Désir, soit qu'on va jouer mon frère parce que nous allons là y attaler comme ça. L'explication de plusieurs bandits t'es perdu la vie au IEM a dicté 3 septembre 2024 là dans Rimagloa Amboise ensemble bandit ça qui t'a arrangé fermé en dedans en caille et la police t'est croisé avec yo bap pour bap à travers en patrouille et la police t'est couru derrière monsieur t'es gain uniforme la police yo bandit ça qui pratiquement valé à la naissance alors que dans Richavan dans Port-au-Prince la police a arrêté yon individu qui t'a transporté munitions pour bandit yo qui t'est dans trois glacés et au saisi dans mel yon fusil d'assaut vous savez dire on zam manche long qui était en possession pour qu'on y a monsieur des 4 mirailles dans DCPJ à répondre question autorité policière DCPJ les personnes situation dans département la Tibonite après plus passé 5 années li très difficile population cap lever voir pour demander autorité pour yo arranger surtout autorité dans la justice dans la police prend disposition pour éradiquer question gang dans le département et bien diverses organisations fait quoi si pas gain lever mais qui fait et bien les personnes réouvert sur des glaces dans département la Tibonite qui apparaît extrêmement difficile directeur général ILCCA doit prendre responsabilité dans dossier sanction gouvernement américain prend compte yon ensemble et personnalité haïtien respectivement ou bien principalement président ancien président Michel Joseph Martelly pour trafic de drogue et financement gang c'est exigence que et ensemble contre corruption SEC à travers yon correspondance que vous voyez par directeur général ILCCA Blaise Peterson nan akaye moun pas suspend disparaît pour petit 5 moun disparaît dans commune Akaye et ça la que gros kè sauté bon côté moun yo bon côté moun k'ap viv dans cité de la poa yo pa konnen ki sa ki la cause ki sa ki derrière question si la responsable yo nan unité lutte contre corruption ILCC mardi ki te 3 septembre 2024 la yo présenté yon rapport enquête et sous 7 dossiers que yo t'ap mené ça veut dire c'est 7 rapports enquête qui concernaient diverses institutions publiques akwo fonctionnaire dans l'état Blaise Peterson moun sa yo pratiquement pral gen pou yal devant la justice selon directeur général ILCCA ces conséquences zak corruption qui la cause l'état haïtien perdi 614 millions de goudes ces déclarations directeur général ILCCA Jacques Anne Joseph qui soulignait rapport qu'elle remet yo li représenter 94 dossiers ILCC remet by la justice pour poursuivre moun sa yo pour meke yo gen ki trempé dans problème que pays a gen dans situation que pays a konnen jounen jodi an à cause vague corruption Blaise Peterson la police manje gèp dans Badelma la police manje gèp dans Solino la police manje gèp dans Fort National la police manje gèp dans Belè la police et n'a pas chose en même temps non pas des choses en même temps la police pas décidé camper dans ensemble opération qui a mené pour matraquer pour chercher bandi tout côté yoyé en dedans pays a désir désir d'aller au compte qui ça pour nous éviter pour nous pas passer moi t'ai plein sur ça l'en dit force de l'ordre la police armée et officier parce que pour nous pas bailler là sur la police parce que nous pas penser c'est la police qui a fait travail là et moi puis mon penser comme si yo garder seulement la police en opération mais c'est la police et soldats de l'armée d'Haïti et officier kenyan yo
Bon, bah c'est normal, parce que les forces de l'ordre qui pratiquement a mené opération pour tabli sécurité en dedans pays est important pour nous continuer à encourager l'autorité qui dans la police dans quatre travail qui a fait la blesse personne parce que li fait trop temps depuis pays a souffri. Bloc minoritaire accord 21 décembre. Yo renouvelé attachement yo ak représentant dans conseil présidentiel transition. Nous voulons parler de Docteur Louis Gérald Gilles, qui impliqué dans scandale corruption, dans question 100 millions de gouttes BNCA. Cependant, SDP, yon l'autre frange dans accord 21 décembre, yon déjà d'accord pour yon liquider Louis Gérald Gilles, pour d'ailleurs, yon déjà à chercher l'autre monde qui pour remplacer et pratiquement Docteur Louis Gérald Gilles dans ce qui concernait conseil présidentiel transition. La situation, moun nan juridiction Wanamet qui pratiquement après tant yon tribunal première instance après conseil ministre qui était organisé par le gouvernement eh bien yo té décrété et yo té d'accord que Wanamet yo té créé yon ensemble de juridiction en dedans pays hein, qui doit gagner tribunal première instance Wanamet qui fait partie zone ça et eh bien yo té arrangé avec une délégation pour aller visiter dans qui espace que yo doit mettre et tribunal première instance Wanamet là avec Wanamet qui a progressé socialement, économiquement parlant et justice, l'autorité prend des décisions. Marsweb gonflé, Blaise Peterson toujours été bon côté employé CNEO. Avocat qui a défendu employé CNEO. Parce que conseil des ministres qui était organisé a bail approbation pour ensemble matériel, bien meuble, immeuble et monde qui pratiquement t'est affecté dans CNE, c'est soit il y a jeune ministère travaux publics, transport, communication, ou bien il y a jeune ministère défense, ou bien il y a arrangé comme employé civil dans ça qui vient pour avec CN, avec force armée d'Haïti, pour venir travailler parce que CNE n'est pratiquement pas existé encore. Blaise Peterson dans opération yo, la police a fouqué des trafiquants de drogue, gen cocaïne, gen marijuana. Eh bien Capois dans zone Port-au-Prince agent BLTS agent BLTS yo joine yo quantité important marijuana dans possession et qui est dans possession un jeune garçon qui estimé avec 32.5 kg côté monsieur semblait après côté bay nèg yo parce que faut que nèg yo bien drogue dans sang yo pour cap fait crime qui a fait avec facilité et bien Blaise Peterson monsieur embamé la police avec la justice dans capitale pays pour al questionner monsieur pour connait qui ça va faire avec marijuana ça qui était dans main elle connaît qui ça s'apporter DG avec DG adjoint SMGRS là Germain Polémon avec Max Alex Joseph détourné 197,499,500 gallons diesel qui estimé Blaise Peterson avec 125 millions de gourdes. Yo mandé responsable dans ILCC mandé pour révoquer toi pour retirer pour le cap mettre disponible pour la justice parce que question corruption en dedans pays a il doit finir selon autorité. La situation nous doit continuer gourmet dans bataille contre insécurité qui a fait tout partout à travers pays a. Et la police qui motivait, la police qui mande mariage police population et pour kounya diverses autorités dans la police fait quoi des quelques zones qui ont jeune collaboration. Et information doit tout le temps abriver joindre la police. De pour dans quartier côté gang yo a opéré sous quelque soit piège que vous cap mettre. Pour contrer opération la police, ou besoin informer la police qui va permettre que le travail soit efficace, qui va rendre ou même aux jeunes sécurité, lui-même les jeunes sécurité, pour nous évacuer avec ensemble activité. Nous, en dedans pays, qui va permettre que l'école fonctionne, qui va permettre que la diaspora, les vini blessé personne. Tant que c'est l'important pour nous regarder avec confrères, collaborateurs, qui tout le temps dans la rue, où il y a l'oué, qui genre activité, où est-ce qu'il y a activité, qui sa information, mais pas jamais oublier. Salutations, ensemble, amis internautes, nous pas oublier. Désir ça que avant que ma prend monsieur yo et surtout Clonade Antoine qui était déjà si allé nous de combien moun alors que la police kenyan officier kenyan tout ça qui était bio à terre n'a seulement m'a faut pas passer sous ça que nous pas trop arrêter et que des amis qui écrit nous qui parler avec nous qui dit Blaise avec Désir qui ça dossier et commissaire gouvernement juridiction Miracle dans NS Muscadet en hier ensemble avec et Pierre Espérance défenseur des droits humains. Bon, moi-même qui parle avec nous avec des Venesse, honnêtement, papa, nous perdons dans le dossier ça.
nous perdit là dedans l'aime dit nous perdit là dedans non parce que moi tendez récemment t'as peut-être des Muscade et Pierre Espérance qui était invité dans le journal Premier Occasion sur Caraïbes journal Grand Boulevard dans interview que le bail avec Johnny Ferdinand et un ancien collaborateur qui était dans le temps et je veux dire qui sont confrères à moi-même et guerrier Dieu seul tout mais moi honnêtement gère bagage comme déclaration t'as bien ça mettre nous yo que Pierre Espérance dit moi-même honnêtement. Et je ne vais pas faire jugement ni bon côté journaliste, yo, ni bon côté Pierre Espérance. Je m'a seulement dit que dans des séries de classes que Pierre Espérance dit, je souhaite quelques preuves. Et s'il y a preuves, qu'il y aller devant l'instance concernée qu'il a, parce que lui fait qu'on est que majorité des âmes que le commissaire Muscade a utilisé, que c'est comment Christa Balio, espérer quelques preuves. Est-ce que quelqu'un a donné pour ça, pour prouver que c'est Christa qui t'abaille et Muscade des âmes, ça, parce que moi, Muscade des âmes, Pierre Espérance, bon, peut-être que mon cap dit ça. Et pas la première fois, Pierre Espérance a fait des bagages sous des séries de monde. Mais moi-même, je ne vais pas rentrer là. Que Pierre Espérance avance, qu'elle prouve, qu'elle donne des preuves, bon, j'approuve, que c'est Christ là, majorité des âmes que Muscade a utilisé, c'est l'Itabalio. Et même Jacques Mdeda de Pierre Espérance te dit tout. Et que l'équipe de qui fait business dans l'Ipérien, c'est des gens qui fait business pour qu'il appli. Et moun sa yo a fait payroll pour Muscade. Tout ça yo que Pierre Espérance dit yo quel capable prouver. Blaise. Mm-hmm. Et t'as un pile contradiction dans la question parce que Pierre Espérance t'est râlé, il y a des moun qui a fait business dans juridiction qui baille Muscade Corp dans cadre travail en support qu'il a fait yo. C'est à partir de ça que et nous avons dit que Pierre Espérance t'est kembe pour dire il y a moun qui a fait business pour s'il applique à bay Muscade Corp. Donc, aujourd'hui, c'est des bagages qui ont besoin de preuves. Pour nous, l'autre avancée qui est la question, c'est par rapport avec yon maman petite ou bien yon ancien madame ou bien ancien ménage que le commissaire Muscade soit à gagner, qui tombe dans la question de jalousie et qui t'a pris un frappe dans le commissaire Muscade et Pierre Espérance t'a semblé observer avec femme ça pour pratiquement attaquer ou bien jouer une raison sur le commissaire Jean-Yves Muscade. Est-ce que la justice, est-ce que l'autorité qui est dans l'État, pral agir sur question ça parce que nous estimer gagner l'anguille sur l'épée pratiquement situation qui gagne entre des messieurs t'as qu'à dire gagne un problème qui existait quelque part exactement blessons nous mêmes bon ici n'a renouvelé engagement non yon état de droit côté la justice a triomphé Jean Ernest Muscade pas tap dans niveau qui est lié dans ça qu'il a fait OK. Parce que il fait partie des chaînes pénales là, il t'a arrêté comme chef poursuite pour te conduire devant la justice parce que lui c'est chef poursuite pénale. Il t'a arrangé tout ça. Nous non situation spéciale. Autorité yo dans chaque juridiction yo, dans chaque département yo besoin adopter un comportement spécial face avec ça qui va venir. Si ou gen problème, Muscade ou dit qu'a fait exécution, moun l'a exécuté qui est-ce que oui. OK? Moun li exécuté, est-ce que c'est pas moun qui a exécuté moun ou bien sot exécuté moun qui a couru pour y aller cacher? Et en pile fois, nous, monsieur yo sans état d'âme et yo gen des politiciens avérés qui toujours derrière yo, là yo fin fait zak qui pou la gueu dans prison. Je dis, nous besoin font nettoyage. Nous besoin permettre que pays a li bay l'espoir. Et trace exemple pour jeune garçon pas rentrer dans gang en dedans pays a. Moi quoi c'est travail ça que Muscade fait? Ouais, je dis dans juridiction les Miangwan. Même que un jeune garçon ta fou, li ta enragé, li ta fait rêve li millionnaire c'est dans gang, la difficile pour le faire gang dans Miragwan. Li ka toujours al faire l'autre côté. Mais li pral faire l'autre côté depuis Muscade informé qu'elle dans gang, li pa ka tourner Miragwan encore. Ça dans toute juridiction te mérite gagner. À part de ça, que Pierre Espérance aller avec preuve pour montrer côté soit c'est Christ là ou bien s'il a appelé qui a bail commissaire Muscade l'argent avec exam, lui-même quoi yon et personnage cap défendre droit monde il va parler n'importe qui gens Blaise Peterson mouté quoi faut t'a gain donner la mail en plus on va dire que Pierre Espérance plusieurs fois qu'elle a produit des rapports qui pas même bien visualisé
qui pas même bien informé, c'est sous cadre rumeur, c'est sous bruit qui a couru, sans yon pas gen représentant le monde qui forme, qui a sementé, qui dans l'espace, qui vivent des événements qui pour rapporter yon, depuis yon des trois mondes parler dans le réseau, et puis yon juste prendre le produit rapport avec, moi même pas là, que et monsieur Pierre Espérance avec commissaire Jean-Nes Miskaden, yon traite problème personnel que yon gen, et qui ka permettre yon chaque yon utile pays, parce que c'est des figures, yon chaque yon ka utile pays, non sens Blaise Peterson. Moi même pas, c'est ça, des outils tout bagay, que, et moi avec des Yvenes, apprend pile précaution, ok, pour que nous pas, comme si rentrer dans le dossier ça, parce que y a des bagay qui caché que moi désir nous pas connaît, et sauf que nous même là pour nous informer, faire des analyses, mais dossier Muscadet et puis Pierre Espérance, non, nous pas entrer dans les détails parce que nous pas gè bagay comme ce qui caché que nous pas gal nous pas konnen et nous pas caché ta sou yo parce que fait des jugements bon côté A bien après le critiquer fait des jugements bon côté B après le critiquer mais nous sommes able comprendre que ça gagne là que autorité yo même yo gérer entre Muscadet et Pierre Espérance si gon problème qui peut être plus que ça n'a pas gardé n'a attendé là que gérer parce que je dis hein, et tous les deux j'ai des idées là capable un gros bourrade avec la République permettre que pays en lui-même il en souffre dans question insécurité. C'est là que moi désiré et pour ça mes cap dit pas nous pas faire des débats sur ça et ça me dévle les amis comprendre et maintenant des amis essayer comprendre moi désiré Venesse parce que je dis hein, et moi pense que va qui encore pipi important. Là même pipi important ça veut dire je dis hein, il y a des focus cap mettre pour qu'on ait et comment zone yo est-ce que la police après pour contrôle zone yo est-ce que l'armée après pour contrôle zone yo est-ce que officier kenyan yo après pour contrôle zone yo c'est ça je dis à mon besoin qu'on ait est-ce que la vie après prendre comment conseil en yé pas oublier conseil présidentiel là il était déjà un bagage qui était déjà depuis les la montée qui était un peu critique sous lui parce que pays a pas jamais de bon expérience avec son collège et bail collégial ça. Et encore plus que je dis, hein, et scandale corruption, trois conseillers, ça yo, ben raison avec un pile monde que ce conseil ça, il pas espérer confiance. Et Clonade Antoine, en tout garder avec nous, puisque nous apprenons que mobilisation n'a pas campé, bon côté force de l'audio, la police, l'armée, et puis officier Kenya, dans le niveau pas de Macafou de l'aéroport. Comment ça, Ephraim? Évidemment, Blaise Peterson, qui t'aime saluer, qui t'aime saluer les Yvenes, qui t'aime saluer et tous les amis internautes qui toujours attachés ensemble avec nous et sous mes sacs nouvelles, eh bien, j'en dis à mobilisation, lui-même, il n'est pas campé, il y a pris à possible et au niveau au Badelma Blaise Peterson et j'en signale, et faut toujours au niveau Carrefour au bord, eh bien, il y a une gros mobilisation, eh bien, surtout bon côté et force Kenya. Eh bien, même qui t'est mobilisé là, qui toujours mobilisé, mais niveau Carrefour de l'aéroport, eh bien, il y a plusieurs blindés modèle MRAP, eh bien, qui n'a périmètre ça, eh bien, qui n'a périmètre ça, surtout dans niveau Carrefour à l'aéroport, dans niveau Badelma, eh bien, nous t'es signalé, eh bien, nous t'es signalé le Poublaise, eh bien, il y a plusieurs blindés modèle MRAP parmi eux, et il y a quatre modèles blindés MRAP avec, yon l'autre blindé noir, yon même qui t'est positionné dans niveau Carrefour à l'aéroport, mais qui t'est sorti exactement dans le niveau Badelma, mais qui t'a monté dans le niveau Carrefour. Fait plusieurs minutes campé dans le niveau Carrefour, il était fond campé dans le niveau Carrefour. Mais c'était renfort au tapton qui t'a pas sorti dans base, qui était capable de venir couvrir pour yo, mais pour t'être capable de descendre encore dans le niveau Badelma. Mais c'est une blindé yo dans blindé modèle M rapio même qui t'est gagné panique, qui t'est gagné petit problème, mais yo t'a pas râlé. Tout est capable de prendre direction, mais basé ensemble avec lui, dans le niveau Carrefour. C'était plusieurs qui étaient arrivés dans le niveau Carrefour, environ 10 blindés, qui étaient positionnés là, dans le niveau Carrefour, pour être capable de sécuriser surtout un grain blindé lui-même qui était en panne, parce que les policiers kenyans ont même mis les pieds à terre. Oui, ils ont mis les pieds à terre. Ils ont tout net, ils ont mis les pieds à terre dans le niveau Carrefour, dans le niveau bois ancien tribunal qui est dans le niveau Carrefour. Eh ben yo t'attend dans l'enfoir je nous dis immédiatement l'enfoir lui-même lui rivé fait couverture pour yo eh ben au même yo déplacé avec blindé ça lui-même qui était en panne et tout de suite plusieurs autres blindés yo même yo prend direction Badelma encore une fois pour capable toujours ouais comment capable sécuriser mais espace ça pour capable toujours rester dans position ça parce qu'on connaît opération ça lui-même dit toujours dit a continuer dans niveau Badelma parce que eh ben force kenyan yo même yo toujours rester disponible dans le niveau Badelma, je nous dis là, parce que nous remarquons qu'il y a plusieurs blindés qui allaient
ça qui vini et ben dans moment on a parlé là dans niveau et Carrefour dans niveau Badelma et pour moment on a parlé la blessure personne et Jean nous tout là et officier Kenya ou même il était mettait pied au terre dans niveau Carrefour et il était sous deux pieds militaires Jean nous même dit dans niveau Carrefour pour moment on a parlé là. Ça veut dire que, et j'aime de dire, je te partage avec nous là, ça veut dire, on n'est pas changé en termes de mobilisation qui est bon côté, force de l'audio, la police, l'armée d'Haïti et puis et Kenyan. On n'est pas changé comme si, dans l'observation, oh, mobilisation et blindée, mobilisation qui a mené en termes d'opération en bas. On n'est pas changé, on n'est pas changé. Au contraire, il y a une augmentation qui fait, j'aime vous là, et bon côté et blindé eux-mêmes qui a augmenté de jour en jour. Qui toujours prend direction et Badelma, qui toujours prend direction Badelma, et soit qui gagne et officier Kenya Onayo, ou du moins ça, policier haïtien, ou du moins ça, et monsieur Lameo, qui toujours ben, a pas fait virer ou dans le périmètre Badelma. Mais il faut que je mentionne pour Blaise, et nous pas trop remarquer la présence de patrouille policière et qui sont habitués dans le périmètre. Là, patrouille, là nous dit patrouille policière, c'est patrouille qui pas blindé, c'est patrouille qui pas blindé, nous pas trop remarquer, nous pas trop remarquer. Nous plus remarquer un ben blindé qui a pas fait virer ou dans espace là et Jean Ozoula soit descend dans direction Badelma soit monter dans direction Carrefour au port et yo c'est plusieurs et parfois yo fait petit camper et officier au mettre pied à terre a pas fait virer tourner aux alentours chao pour capable ben garder comment ça lui-même lié dans périmètre ça parce que opération lui-même Jean Ozoula Jean nous constater nous-même ben il pas camper mais Blaise m'a mentionné ça pour vous. Et pendant que je campe dans le niveau Carrefour, je suis capable de contrôler sous le train environ 10 camionnettes qui passaient, qui chargeaient avec Batan Clan, Mounio même, qui continuaient à quitter la caillou dans le niveau Badelma. Ils continuaient à quitter la caillou dans le niveau Badelma, contrôler sous le train et environ 10 camionnettes qui passaient chargées avec Batan Clan, soit Cabane, Amoa et Bifet, Mounio qui continuaient à broter pour quitter en bas parce qu'on est opération lui-même, l'itamé et la continuer. Et moun ki gen opportunité là ou ba on internet là on ti pose ben nan opération ki a fene an ben moun yo même yo tout prend ti tan ça pour capable broter pour quitter espace Badelma pour capable ben quitter espace ça par rapport avec opération ça lui même qui a continué vraiment et c'est de jour en jour nous toujours tout ben blindé ou même yo toujours a fait tirer won et yo toujours a mettre ben Joseph Aïs à terre dans espace soit Badelma soit Delma 18 soit dans niveau Carrefour Payan dans niveau Solino dans niveau Delma 24 ben opération lui même li toujours à continuer mais moun yo même yo continuer à quitter la caillou pour capable prendre l'autre direction à raler en sous pour capable quitter ben opération lui même li continuer dans zone ci là mais où sont à l'état et Clonard et Antoine c'est pas seulement dans niveau Carrefour de l'aéroport et puis dans niveau Badelma mais c'est sur toute route et de l'aéroport là que ou remarqué en présence et force de l'audio mais surtout c'est blindé ou pas remarqué ti bay patrouille cap viré dans zone ça c'est blindé li très difficile pour me remarquer une patrouille et surtout et takouti et me capable dire et zoreken yo li très difficile c'est surtout blindé sur route de l'aéroport j'ai mentionné là quelques Carrefour gagné blindé qui campait et gagné tout qui a roulé doucement sur route de l'aéroport et dans niveau Carrefour ya tout et ben monsieur même yo campé exactement dans mitan Carrefour aujourd'hui c'est surtout blindé encore une fois et ben c'est seulement dans niveau 3 mais on capable remarquer présence policière administrative au même qui mettait pied à terre mais qui va gagner présence blindé avec mais après ça dans toute l'autre zone sur route de l'aéroport Carrefour de l'aéroport Badelma dans niveau Nazon c'est surtout blindé qui fait virer dans zone ça ça gagne quelques jours et Bacop Delta 5 là nous pas remarquer et ça tout mais qui pas si marchand yo l'autre ben visage dans niveau Carrefour parce que José à la rivé moi tout si marchand yo même yo prend trop trois net José yo prend trop trois par rapport avec ben si patrouille ça patrouille Delta 5 là ben qui quelques jours pas arrivé dans niveau Carrefour ben pour ta qui net si marchand yo c'est surtout blindé yo même qui a réglé ça fait pas yo qui a pas mené opération dans périmètre ça pour moment ça Blaise Peterson. Mais comment ouais atmosphère Badelma il y a un moment Badelma l'aime dit Badelma Delma 24 Delma 18 à distance que toi regarder ou attendre comment atmosphère là et de Solino tout en l'air maintenant zone safari zone poupla zone nation zone ça comment ouais atmosphère là est-ce que c'est des zones que ou plus ou moins senti gain à côté des opérations que la police a faut le doit mener mais est-ce que senti comme si vraiment la vie t'avait reprendre timidement dans zone ça
Bonjour, qui t'aime Doublez et l'aime camper exactement sous côté viaduc là et côté machine Pétionville qu'on a chargé pour monter voilà la Pétionville là là m'gayer et m'gayer libre d'accès pour capable ouais direction Badelma pour arriver dans niveau Sétive dans zone Delma 16. Blaise, si ou yon moun passé après 5 10 minutes ou après yon l'autre moun traverser la rue. C'est comme ça qu'on fait aller, ça veut dire pas vraiment gagner activité qui a fait dans zone ça dans direction Badelma. Et après 5 10 minutes ou capable pour un l'autre monde passer et machine qui a sorti en bas quelques graines camionnette qui tentait descendre Blaise mais c'est surtout camionnette qui a broté avec moun qui a broté Bataclayo exactement dans direction Badelma mais pas gagner activité qui sortait après prendre dans zone ça par rapport avec opération qui a mené moun yo même c'est quelques graines moun qui tentait descendre à pied mais yo marché sur coin yo marché dans coin là ria yo pas prend mi-temps l'aria parce que mi-temps l'aria lui-même il était libre c'est quelques grandes machines qui passaient qui a soit descendu ou bien qui a monté mais c'est surtout quelques grandes camionnettes Jean Outia qui a broté et bagay moun gen la caillou pour capable ben monter dans l'autre zone mais atmosphère lui-même Blaise lui vraiment paraît calme parce que pas gain activité qui a fait dans zone surtout j'aime dire là dans zone Delma 16 dans zone Delma 18 et mais activité au même yo pas fait dans zone et Montenazon dans Mont Safari dans zone Solino Delma 24 mais c'est surtout sur route principale là c'est surtout sur route principale là activité au fait sur route principale là même sur route principale là Blaise c'est sorti Carrefour Port Montenazon passer dehors et Carrefour Solino pour capable protection Carrefour Crissois passer dans zone Carrefour Samedan mais gain activité transport camionnette machine petit bus qui a fait virer mais là pour en direction en dedans pour rentrer dans zone en dedans yo mais il y a plusieurs côtés place personne mais c'est barricade qui gagné c'est quelque côté moun yo même yo bloqué mais pour éviter mais assaut bandi mais et toujours gagné présence force l'ordre toujours gagné présence force l'ordre à côté des policiers Kenya toujours gagné présence force l'ordre mais dans zone qui pas en dedans c'est pour Carrefour Payant en dedans Delma 18 oui toujours gagné présence policière mais ça qui gagné pour avec activité ben pas vraiment gagné activité qui a fait dans la zone, surtout pas en dedans, mais sur la route principale, on a besoin de quelques machines qui a pas fait aller venir, quelques chauffeurs moto qui toujours répondent présent, surtout sur la zone, mais pour prendre direction Badelma, pas vraiment gain ça, c'est à côté de Samzou, la blessure, quelques grandes camionnettes, yo même, qui tentent de descendre, qui prend quelques grandes mounes avec et ça a gagné la caillou pour capable quitter l'espace Badelma par rapport avec l'opération lui-même qui a pas. Mais m'gade faut quitter Badelma moi-même parce que c'est capable venir sur l'Italie comme ça tout lui-même mais moi-même faut quitter si m'faut aller rapidement avec Colonel de Antoine et pas seulement Badelma Belair et Solino mais nous connaît tout gain mobilisation qu'a fait tout dans niveau et bas peu de choses et rue Nicolas rue Caprois Riel Romain toute zone Riel Vague Riel Roi et zone ça autour la police mobilisée depuis dans Junecté mardi 3 septembre non gien pile mobilisation qu'a fait dans zone ça tout qui plusieurs présumés bandits qui et va la dénonciation dans zone ça et qui plusieurs arrestations tout que la police a fait dans niveau zone ça yo n'a pas peu de choses qui dernière nouvelle qu'on gagne de ça pour journée ça comment ça et la police toujours répond présent dans zone société là dans mi-temps cette ville là et hier et blessation nous t'ai signalé et ben la police même qui t'a ben mener opération dans zone et badet soit dans zone babe chose dans zone rue Nicolas dans toute zone ça et ben en pile et ben fait ici même yo parler avec des essentiels et ben pour jodia et ben toujours gagner présence et force de l'ordre toujours gagner présence officier Kenya dans zone ça mais pas vraiment gagner coup de dame qui a tiré pour jodia dans périmètre ça pas vraiment gagner coup de dame alors pour moment ça n'a pas parlé là faut dire bien comme ça pour on a parlé là pas vraiment gagner coup de dame qui a tiré surtout et dans zone Rue Nicolas pas peu de choses dans zone Tao et dans tête Carrefeuille mais pas vraiment gain opération qui a mené surtout pour on a parlé là mais dans hier en ben t'ai gain en pile détonation en pile coup d'âme et en pile coup d'âme et t'ai gain en pile effet tout ben qui parlait avec des stations mais toujours gain présence policière dans périmètre Tao ou sorti de là peut-être désir avancer non parce que moi c'est que le bagage m'a dit avec le Nader mais on avance tout pour garder des bagages des questions que m'a qui va venir dans tête moi. Très bien, Claude Nader, à travers les images que nous avons qui a sorti, surtout dans Badelma, et information t'a fait quoi que la police ou bien force de l'audio, dans vrai et maintenant,
ta marché avec engin loup dans quatre opérations qui gagne des cailles qui crasé qui gagne des clôtures qui crasé ou même comme journaliste qui pratique en genjo qui a fixé est-ce que vous vérifiez ça yo et pour nous évidemment et gagne et section engin loup à des yeux lui même qui dans opération ça tout qui a mené et dans Nipo Badelma oui gagne et section engin loup force armée d'Haïti lui même qui dans opération ça qui a mené et dans Nipo Badelma et depuis ces côtés et qui gagne barricade qui gagne barricade qui fait avec des poids lourds dans pour côté qui gagne machine qui bloque espace ou du moins ça côté yo mettez gros mirail côté qui gagne gros mirail côté qui gagne et wash yo bloqué et ben c'est section engin loup lui même qui permet et ben yo débloquer et ben espace parce qu'on est blindé modèle M rap yo même yo pas ca et ben soit débloquer et ben espace par rapport avec gens défense yo fait eh ben yo pas ca débloquer espace ça yo mais section engin loup par rapport avec plusieurs matériels lourds eh ben monsieur ça même yo a tracé plusieurs espaces jontia ça pour des mirailles des cailles eh ben qui permettent eh ben qui ca permettre opération lui-même li pas actif li pas fait bien eh ben section ça lui-même li présent tout li présent eh ben dans opération ça qui a fait dans niveau Badelma pour capable eh ben permettre li accès pour quelque blindé capable joindre quelque côté pour capable passer, pour capable continuer avec l'opération qui a continué. Sans doute, ou bien de monde qui dans la zone Badelma et qui dit ou pas bandit qui dans la population civile là, qui autant de cri, qui ça autant de bon côté monde qui en bas, qui peut-être pas dans gang, que gang yote vle servir avec yon comme bouclier humain, et qui modèle témoignage que autant de ou partage? Est-ce que gain brutalité policière parce que la police fait qu'on est y a appliqué professionnalisme dans opération qui a mené yo. Selon ça nous joignent comme information et désir et c'est surtout et yo mariage qui fait entre population avec policier surtout dans niveau et solide de Delma 24 et ben là lui-même c'est mariage population avec la police là lui-même qui fait mais dans niveau et Badelma moun Tigren qui la yo, Tigren qui rete yo, li pa facile pour joindre pour acheter mot en bas bouche yo parce que ben yo même yo obligé ben rete dans espace là ça qui pas ka déplacer yo, ça qui en donne net yo, ça qui dans zone en donne net yo, mais et quelque côté des site pour Jean nous dit dans Solino Delma 24 et c'est mariage ben population avec la police là pas vraiment gagner brutalité policière mais qui fait pour côté population pas vraiment gagne brutalité politique qui fait bon côté population ça arrive dans échange de tir qui gagne en ben dans zone ça désir capable gagner en ben quelques monde qui dans population qui recevra cartouche ou du moins qui mourit tout parce que ça lui-même il capable arriver mais pas gagne brutalité politique en ben bon côté population lui-même qui soit dans zone Badelma ou du moins dans zone Solino Delma 24 Delma 18. Très bien. Et chef gang vivant ensemble ou bien porte-parole président tant que j'enrai les têtes là Jimmy Cherizier alias Barbecue t'es annoncé dans diverses vidéos qu'il te mettait dehors, il pral craser, il pral mettre du feu et information t'a fait quoi il y a quelques cailles dans zone Badelma qui ont remarqué que la fumée là-dedans ou pas de détails sur ça. Évidemment et j'ai mentionné Jean-Dil des Ivenes et matin alors hier soir pour l'ouvrir matin mais gagne en pile plein et ben dans zone et ça dans zone Badelma 3 et Delma 2 tout et ben par rapport avec ben plusieurs cailles et ben et monsieur et vivant Samio qui dans zone Delma Badelma ben qui piquait dife dans plusieurs cailles yo piquait dife dans plusieurs cailles parce que yo te gen annoncé ça ben effectivement monsieur même qui mettait dife dans plusieurs cailles qui gagne dans niveau Delma dans niveau Badelma dans zone Delma 2 Delma 3 mais c'est surtout et désir c'est kay qui pas vraiment gagner moun nan yo c'est kay qui pas vraiment gagner moun nan yo et ben monsieur même yo mettez dife nan yo j'en signale et ben pour amis internet désir effectivement et moun monsieur même monsieur a mis ça au même yo mettez dife et ben dans plusieurs kay dans Badelma et ben on connaît opération a fait et ben yo même yo mangé gap tout et ben yo a mettez dife là et ben dans quelques kay j'en signale pour c'est jusqu'à présent c'est camionnette qui a passé avec Zafé Moun qui a pas bouté quitter ben limite Badelma jusqu'à mon n'a parlé. Qui direction yo prend qu'on ça l'a quitté? Qui direction moun ça prend par rapport avec camionnette qui gen ensemble battant que moun yo cap quitter Badelma? Gen qui prend direction Rodelma? Gen qui prend direction Rodelma?
et pour ça tout gagnent qui prend direction route de l'aéroport gagnent qui prend direction route d'Elmar gagnent qui prend direction route de l'aéroport mais pas gagnent et nous pas tant remarquer camionnette qui prend direction Nazon c'est surtout qui prend camionnette qui prend direction route d'Elmar et qui prend direction route de l'aéroport et pour moment on a parlé là et désir c'est ça qui a fait c'est ça qui s'est commencé fait et c'est ça qui continue à faire c'est bon côté population ça qui gagne accès pour capable quitter zone là yo continuer à quitter et zone Badelma pour on a parlé là dans le cas de l'aéroport que vous mentionnez pour nous que officier Kenya en mode d'opératoire ou bien en mode d'opération yo en dedans sous zone là et plusieurs de ces petits blindés MRAP qui dans espace là comme ces zones que bandi yo kon ciblé pour yo voye coup de balle et ben gen des là depuis bandi yo pratiquement dans bon caché qui j'ai activité pour Carrefour aéroport pour monter sur route Delma et qui en situation est pour matin Dans niveau Carrefour port et je nous ai signalé tout à l'heure et ben c'est au Carrefour port nous capable dire et activité au même yo censé à fait sans problème là yo censé à fait sans problème parce que m'dou et activité et commercial là les même li fait sans problème quand pile ti machin yo même qui pas arrêté sous place là jodi a yo descend sous trottoir pour capable ouvrir marchandise yo et chauffeur moto yo présent chauffeur camionnette yo tout yo disponible dans niveau Carrefour port et faut qu'on signaler dans niveau et Carrefour de l'aéroport dans 4 points ou même mentionné ou même mandemni dans 4 points yo soit ou prend direction Nazon Bon Safari ou jeune camionnette qui a fait ensemble avec vous soit protection Rodelma Pétionville ou jeune camionnette ou jeune chauffeur moto qui a fait ensemble avec vous soit protection route de l'aéroport ou protection trois mains ou jeune camionnette qui a fait ensemble avec vous et sans compter chauffeur moto yo qui a protection ça ensemble avec vous mais soit protection Badelma attendez bien c'est quelques green camionnettes qui a descendent à vie pour capable prendre direction Badelma et là au tourner yo tourner chargé pour la poloy avec batan clan moun qui a pas quitté espace là yo ben c'est pour ça Carrefour pour lui même lié activité en fait sans problème commercial transport ben il a fait sans problème dans niveau Carrefour pour demander le désir venir très bien si n'a regarder dans notre nord pays a qui gens et bien bon matin on est que vous êtes envoyé regarder qui en situation est dans rentrer dans pays est-ce que gagne libre circulation et toutefois chauffeur respecter conditions et membre réseau criminel vivre ensemble qui tabli quartier général yo dans espace là et surtout conspiration pour mon pays et route nationale numéro 3 mon cap prend direction plateau central est-ce que dans minute qui a parlé à là avec ou bien dans moment que vous êtes passé ou tu ouais activité yo t'a fait été accessible pour mon de fréquenter. Ah, il me perd Claude Nadé Antoine, bam tourner avec Claude Nadé Antoine Désir Venesse et rapidement bam moi tourner avec Claude Nadé Antoine pour me capable regarder avec lui et bam tourner avec Claude Nadé Antoine pour nous est-ce que tout bagage en forme et communication tige peut être difficile. Bon, c'est communication difficile en quoi que Claude Nadé a apporté qui choix pour nous et qui permettent que les amis internautes qui a cherché informer qui j'en la ria et si y'a prend la ria ou cap dans la ria sans pièce sans pièce problème mais y'a besoin de un pile prudence tout parce que autorité qui a mené opération nous voulons parler des forces de l'audio ou a besoin de documents et pièces pour identifier ou dans la ria ça son point important pendant opération a mené et parmi ma bouille à façon bas ou par contre mâle ou par contre femelle et mauvais jet qui doit sortir et bien faut qu'on marche avec pièce parce que la police décide yo di yo pa camper dans quatre opérations qui a mené tout le monde sérieux tout le monde qui voulait que insécurité akaba en dedans pays nous besoin coller tête ensemble nous besoin aider la police joindre information et permettre que information que bandi yo besoin véhiculer pour paraître très difficile pour joindre espace pour faire mon peur parce que là rentre dans pratique nous diffuser tout ça bandi yo fait en hier ou est calculé le dernier avec nous désir c'est babek. On va avancer qu'il met le dernier sur ligne non pour qu'on puisse toujours avancer avec. Très bien. Ouais, quantité de diversion que barbecue a juste créé dans habillé en jeune garçon avec uniforme la police. Faut qu'on soit prudent. Et oui, et Claude Nader, on t'a regardé à coup et rentrer nord pays ou bien rentrer nord pour aller oui, ouest. Qui j'en situation est route nationale numéro 3 pour monde qui prend le plateau central. Qui en s'est levé matin, est-ce que moun yo te commencé avec activité pour minute que n'a parlé là si ou gen information, est-ce que au monde cap sorti la Tibonite pour traverser pour rentrer dans l'ouest avec machine ni toutefois que yo respecté et conditions que monsieur ou mette. Et puis l'autre information que n'a demandé, est-ce que machine privée traverser espace ça, est-ce que c'est même condition gen ou l'autre machine qui a fait route ça. Claude Nader.
Évidemment, dans l'entrée dans le pays, il faut qu'on ait activité de transport lui-même, il déclenche de très tôt dans le matin et activité de transport là surtout. Il y a plusieurs machines qui traversent la route nationale numéro 3. Et la route nationale numéro 3 des Yvelines, oui, gagné machines privées eux-mêmes qui traversent l'espace, mais ils ne sont pas vraiment touchés, ils ne sont pas vraiment payés, si messieurs, mais ben, il y a plusieurs machines privées, nous toujours remarqué, qui traversent la route nationale numéro 3. Mais ces machines de transport, si vous passez dans l'espace, vous supposez respecter les principes, vous supposez respecter les conditions pour passer dans la zone, pour capable soit prendre direction département centre, direction département nord PIA, ou du moins si vous rentrer dans Port-au-Prince. Eh bien, quittez tout sur la route nationale numéro 3, mais l'activité, vous faites sans problème. Et de bon repos à zone Lison, Latin, Cafou Marin, Cafou Chada, Cafou, Kouale-Mission. Eh bien, toute activité au même, yo fait sans problème. Et si ma chaîne, yo même, yo répond présent, sauf que moto, yo tout, yo répond présent dans zone Sayo. Et faut qu'on signale tout, et dans le niveau Cafou 9, activité au même, yo bougé sans problème. Route 9, zone Merger, Les Bouvres, Village de la Renaissance, Cafou Fuji, Cafou du Vivier. Eh bien, tout espace Sayo. Eh bien, activité au même, yo fait, surtout activité transport avec activité commerciale là, yo bougé sans problème. Et faut qu'on signale tout et dans zone ta, si monsieur yo toujours présent dans zone ta, yo pour capable, eh bien, et toucher dans mes supermarchés. Zone ta noire, barrière fait, et Médecins sans frontières, Carrefour Versant, Carrefour Douya, eh bien, il y a activité au même qui a fait dans zone ta, surtout Carrefour Douya, et gagne présence, et la police, dans niveau Carrefour Douya, eh bien, sinon Carrefour Douya, activité au même, yo santé a fait sans problème. Et dans le niveau devant le parc industriel, tout le tous les mêmes constats. Même constat, route de l'aéroport, avec la présence de plusieurs blindés. Et avec la présence de plusieurs blindés, gagné bas commercial même qui ouvre, bio transfert même qui l'ouvre, dans le niveau et route de l'aéroport. Et si machin de tout, qui répond présent, dans le périmètre, je nous souhaite signaler pour vous, dans le niveau Carrefour Port, gagné toute activité au même qui est censée être faite dans le niveau Carrefour Port, pour on a parlé de la Zivinette. Très bien. Et bien, la situation, par contre, il y a une autre question pour Claude Naider. Si vous n'avez pas une autre question pour lui, ça nous donne à lui dire merci pour travailler et continuer à chercher des informations pour côté. Bah, les amis, internautes, mais ça convient des infos par une nouvelle 24 bas info. C'est une nouvelle Haïti qui pratiquement pas négocié la rue. Merci un peu, Claude Naider Antoine. Merci un peu, mon frère. Bam, tout gade, moi, est-ce que je suis capable de joindre et Fred Kelito Banat en bas de genou? Et pour me garder moi, est-ce que je suis capable de joindre Kelito et pour nous être capable de garder avec lui, comment ça y est dans la zone Nio, sinon après sa désir, nous t'adouer rentrer dans cause là pour nous garder comment ça y est par rapport avec et ensemble point qu'on a déjà annoncé yo, question et sécurité, question politique, question ULCC, parce que même dit nous là, Zami, alors, m'ka di et confrère nous, j'ai mon ami mette Louis dans le télé dans Caraïbe. Gonti ba réalité diri, gonti arrêt de yo là. Gonti arrêt nan mita bandi yo, nèg armé yo bandi a sapatio, mais gonti arrêt tout nan mita bandi a cravate yo. Parce que Jean comme t'a dit la autorité a frappé là, li montre à clair que ni bandi a sapatio qui c'est un jeune garçon qui gè zam sa nan men yo, ak jeune femme sa yo. Et mais la police apprend de alors force de l'audio apprend de disposition pour gérer situation, mais gè pile nèg là commence à marrer. Gè pile moun k ap marrer là des CBJ ap marrer là, ke n boko konnen, mais gè pile information pou mwen là que des CBJ ap marrer pile moun là, mais y a présenté yo à travers alors la police tikal patikal. Lè ou fin bien monter dossier yo, lè ou fin gen bon gens an di donner nan de yo, et puis après ça pou capable présenter mais différents unités gen pou bout chef gang mapen ki mari kon krabwi nan men de CPJ. Ah oui hein, ke mapen gen pou bout chef gang ki mari kon krabwi là, mais n'attend que de CPJ la police présenter li nan alo la police des Yvelines. Des Yvelines que j'aime toujours dire moi avec vous, nous pas gon problème avec et jeune garçon qui est zam nan mais au personnel. Non. Nous avons problème avec question criminalité. Hein. Action à poser. Yeah. Nous avons problème avec question action à poser. Et qui je dis, hein, yo quitte niveau action gang nan, yo pren un chemin action terroriste. Ok? Yo quitte ligne action gang nan, yo pren un chemin action terroriste. Et ça tout le monde d'accord. Ça tout le monde d'accord ça. Pas de débat sur ça. Et le fait que nèg yo kite action gang nan c'est de action théoricien posé. Je dis qui ça ou même
qui attendait ou dit moins que qui victime de monsieur Sayo qui ça dit tête ou qui ça dit pour ta fête qui ça dit qui vous t'a posé comme action m'quito répondre question ça yo mais ça que me connaît question droit à la vie à la sécurité yo c'est de droit obligatoire que autorité yo doit dégager kou mettre Jean-Jacques Yobanon dans pays ça. Et m'dou je dis, sécurité, c'est premier bien public. C'est une véritable obligation pour que l'autorité yo ban nou sécurité. Et ouais, nan question, même bien que n'ego pas jam publié à 3 avril, là, mais ou après, dans tout document que, quel que soit le conseil présidentiel, quel que soit le PM Garikouni, ou après, il y a un premier ça mettait accent sur les palais, c'est question rétablir sécurité, rétablir l'ordre public en un pays. Mm-hmm. Okay? Rétablir sécurité, rétablir l'ordre public en un pays. Ça veut dire, pas de débat sur ça. Et celle façon en un moment que yo capable rétablir sécurité et l'ordre public en un pays, nan jan que situation est là. C'est que l'État, puisque gang yo a posé de actions violentes, mais li dit, li écrit noir sur blanc, l'État c'est lui-même qui a monopole violence légitime. L'État c'est lui-même qui a sanglé, m'a prédit encore, monopole violence légitime. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, depuis l'État pas fait abus, l'État a agi envers moun, qu'il doit agir yo, je dis, hein, pas gain abus, pas gain méchanceté. Parce que, comment on peut comprendre que, dans le comportement avec l'armée, il n'y a pas de pitié pour quel que soit le monde que l'y a. Il y a sans pitié pour quel que soit le monde que l'y a. Parce que, les nègres ont violé grand monde. Les nègres ont grand monde comme si, monde qui est dans la soixantaine, il y a violé des petits jeunes qui n'ont peut-être 15, 16, 18. Il y a violé des adolescents tout, qui n'ont 8, 9, 10 ans. Mes amis, comment qualifier ça? Comment comprendre ça? Les nègres décident craser, bouler, décident touiller plusieurs demoiselles parce que yo mande demoiselles ça pour coucher avec yo. Demoiselles la pas vle parce que les gars sont chef de gang ni gars nan men, ils décident fusiller, tirer demoiselles là, tirer la partie intime ni. Comment relé ça? Comment qualifier ça ou même? Comment relé et qui je qualifie elle? Je dis, le problème, ce n'est pas barbecue que lié, ce n'est pas avec Isomano, si la pli bougre que lié. Lycée mm-hmm. avec réseau, association criminelle malfectée. Quel que soit tes bandits à sapate, quel que soit tes bandits à cravate. Parce que ça, peuple haïtien a besoin de sécurité. Et en pile pays, pour me répéter, ministre des Affaires étrangères pays haïtien, madame Dominique Dupuy, ouais, non, que non, tout n'est que se fait là dans plusieurs pays là, au Brésil, tout ça, yo. En pile pays, c'est sur bouquet. Yo a bout avec tout un ensemble de crises, problèmes, insécurité, stabilité de, en Haïti. Bien que en pile dans problème, ça yo créé le tout. Yo créé le tout, yo financé le tout. Yo financé, vendez des bagages là, clairement tout. Mais qu'on y a pas de financer le créé là. Et parce que nous pas de monde, nous pas de monde qui a mounité la caille, yo. Qui vous dit que Haïti son pays qui souverain, son pays qui indépendant, son pays qui grand monde li, qui donc yo pas quitter étranger yon, vin faire ça ouvre. Parce que ni clair, après 220 années, nous pas qu'à de pays comme si nous pas qu'à un pays qui prend dicté dans l'étranger. Si nous dépasser deux monde qui te grand monde tête yo, de dirigeants qui te respecté tête yo, qui te dit à faire pays, nous pas nous entraîner dans des organismes internationaux, nous dans de coopération internationale, c'est normal, nous capables de coopérer, nous capables de discuter, nous capables d'élaborer. OK? Mais cette histoire, comme s'il y a passé nous l'ordre, il y a dicté nous, mais non! Pas question ça! Pas question ça! Mais je dis, hein, nous tombons dans une situation, nous tombons dans une réalité, que en pile pays qui a aidé Haïti, Dieu bouquet, Dieu a bout avec Haïti. Et j'aime dire, en pile là où ces pays, ça crée tout. Je dis, hein, nous pas qu'à innocenter la communauté occidentale dans la situation haïtienne. L'aime dit la communauté occidentale, nous pas qu'à innocenter les États-Unis, le Canada, la France. Parce que la majorité des amis ont été sortis
en pile des organismes internationaux qui établissent base yo aux États-Unis. Yo par contre, yo fait des études, yo pas tout côté majorité des amis sortis États-Unis, non pas dans sud état Floride. Quelle disposition l'État américain prend pour empêcher que Zam rentre en Haïti, sortir la caillou pour aller aux États-Unis, à Haïti? Et qui disposition tu aider Haïti avec l'État haïtien pour contrôler les frontières nous? Parce que majorité des amis, tout yon transité passé par frontières qu'une gare avec Saint-Domingue. Et dans ce sens, pays Brésil, d'accord que pour le Banoubouga, sous point ça. Banoubouga, dans le sens que aider force de l'ordre nous en Haïti pour capable rendre plus professionnel, ou des équipements pour permettre qu'on capable de plus bon contrôle et plus bon surveillance. Dans la question de contrebande qui a fait dans le port aéroport et dans la frontière, qui nous partage avec ces domaines. Parce que, pas oublier, la majorité groupe gang, je dis, eh bien, sous de financement à cartouche qui ont gagné, ils ont sorti ces domaines. Il y a le joué un groupe gang qui pipe rien, et puis groupe gang qui pipe avec distribution de l'autre. Il faut comprendre ça. Mais, et ça fait. Il faut qu'il y ait des dispositions, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent pour gérer la question. Il faut comprendre ça. Entre-temps, tout, l'armée d'Haïti a recruté des séries de jeunes, formats jeunes garçons qui voulaient venir servir pays. Hein? Et de même, tout la police rentre encore jeunes, formats jeunes garçons qui a fait maintenant l'école policière là, qui pourrait prendre des formations rapides et qui pourrait faire partie de différentes unités spécialisées pour permettre que ils avancent avec sécurité, la paix, pour permettre que la paix établie. Parce que moi, je dis ça, véritable mission équipe qui l'a, parce que nous ne pouvons pas arrêter dans l'internet transition. Parce que je dis, le 7 février 2026, il faut qu'il y ait mes pouvoirs, un président qui est élu. Mais un président qui est élu. Et ça, je dis. Mais de ce fait, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent, il faut qu'il y ait des actions qui posent pour permettre que yo gère la situation. Yo gère. Et seulement capable de gérer, c'est créer des conditions. Et l'aime dit conditions en termes de ressources humaines, ressources matérielles et ressources financières. Et ça fait récemment, moi, avec des étés d'il. Et en défense de l'audio, il y a dû gagner une seule chaîne de commande. Dans le moment opération, yo, ou bien dans le mode opération. Yo. Yo dwe genye un seul chaîne de commande. Bah, pour une question que policier yo apprend l'ordre dans mes on m'a dit équipe cap dirige opération la police non la mais apprend l'ordre dans mes équipe cap dirige opération la meilleur officier kenyan yo apprend l'ordre dans mes officier et chaîne équipe cap dirige opération pour kenyan non ou est là comme ça bagarre après très difficile a dit moi c'est que je que m'a toujours dit le désir n'a toujours dit faut que nèg yo travaille pour qu'il y ait un pi bon marionnaise qui dégage entre trois forces de l'autre sayo, qui c'est la police, qui c'est l'armée et qui c'est officier kenyan yo, qui permet que yo jwenn pi bon résultat, ben pi bon résultat dans cadre opération qui a mené yo. Parce que tout le monde d'accord ça, nous bouquer, nous about avec question de sécurité. Et faut qu'il y ait une stabilité dans le pays. Faut la vie reprendre dans le pays. Faut que ça ne les faut que institution yo capable retourner debout mes amis. Je dis là, nous n'avons pas de légitimité dans ce qu'a fait là, non? La présidence est illégitime et le gouvernement illégitime parce que il parle dans l'élection, c'est sous base de consensus, mais légitimité populaire, non? L'égalité en termes de salaire, loi et élection, pas de monde qui respecte les normes. D'ailleurs, nous avons déjà la police qui a I. C'est pour montrer comme si, dans qui niveau qui est tombé, nous avons cas, nous avons situation spéciale. Et cap garder comment que gè des réponses spéciales ka bay nan moment. Je dis, hein, moi c'est que dwe gè san rele mobilisation yo qui dwe fait, jan que force de l'audio dit lan, mariage, police, population, et mariage dans tout qui dwe fait tout pi bien entre trois forces de l'autre sa yo, qui c'est la police, qui c'est l'armée, et qui c'est officier kenyan yo. Des Ibenes, en nous avancé. Très bien. Mariage entre force de l'audio, quel te militaire qui dans l'armée d'Haïti, quel te officier qui dans quatre missions multinationales qui sont dans le pays Kenya, parce qu'on attend dans ces 400 ça qu'il a toujours, et
Non, ça qui gagne pour avec résolution 2699 qui était adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour permettre qu'ils viennent en aide avec la police. Maintenant, pour te dire, dans le contexte, et les États-Unis ou bien Nations Unies, parce que les États-Unis estiment lui-même, c'est lui-même qui pratiquement a avancé danger. Désir, t'as l'air, émotion, on va pas oublier ça. Selon ça que nous apprenons là, et pour juillet, mercredi 4 septembre, non, je dis pas 4 septembre, désir. Oui, oui. Eh bien, nous apprenons que bandit continue à tomber. Géplissé bandit tombé. Et force de l'audio saisit un fusil calibre M4. Ok? Elle dit un fusil calibre M4 qui arrive récupéré. Et sous bel air. Et jeudi, mercredi 4 septembre 2024. Maman, je prends ça pour nous. Plissé bandit continue à tomber. Et plissé bandit tombé jeudi, mercredi 4 septembre. Là, encore. Ok? Et que un fusil calibre M4 qui récupéré par force de l'audio sous bel air. Et la police, la Médaïti, officier kenyan, ils ont continué à mobiliser et puis renforcer capacité à présence dans la bataille pour déraciner et andi et terroristes criminels qui vraiment prennent Badelma, prennent Bel Air, avec diverses autres zones qui allent au capital en otage depuis plusieurs temps des événements. Je vais vous dire que vous avez ça comme information, pas oublier. Très bien, Blaise Peterson. Takou, je ne te dis dans la mise en contexte, les États-Unis qui sentent les mêmes. Li commencer à boule souffle, li commencer bouquer. OK? Parce que tout ça que autant de qui a fait comme avancer yo et comme pays qui fait partie Nations Unies, qui c'est un pays bailleur pour supporter pays d'Haïti nan moyen pour retirer dans labyrinthe de sécurité qu'il trouve là, et bien Blaise Peterson yo décidé dans réflexion pour voir qui gens est-ce que yo cap réfléchir nan rencontre que Conseil de sécurité Nations Unies pral gen pour faire. Est-ce que yo pa ta converti mission et multinationale que nous avons là, en une force onisienne. Qui pourrait permettre que vous gardez ensemble des décisions. Parce que je dis, vous avez un problème. Je dis, c'est vrai que la police a fait quelque chose parce que vous convertissez yo en police militaire, mais transformer mission en une mission onisienne qui pourrait permettre que c'est des militaires qui viennent. C'est vrai, d'accord, en plus, la monde pourrait dire, il y a inconvénient, il y a bon côté, il y a mauvais côté. Nous pourrait laisser d'autres faire appel. Sur combien de missions onisiennes qui viennent là déjà, qui échouent, qui quittent des situations très difficiles, même pense que l'autorité a besoin bien adopter, bien garder et noir sur blanc ensemble des décisions qui apprend. Si toutefois, et Conseil sécurité à travers l'ONU, tu es d'accord, grande décision, c'est là, et l'autorité haïtienne a besoin de mettre des balises, les personnes. Et là, facile pour qu'elle tranche ta plan, parce que tu es dans le processus, déjà, tu es tout simplement au bras de chercher approbation, au bras de chercher, et OK, ensemble, l'autre pays qui fait partie, et Nations Unies, pour essayer au cap de venir en aide. Parce qu'on paquet de pays qui fait quoi, qui est au tableau de venir, le tableau de super, non, pour résoudre le problème, non, mais nature, ça qu'a fait là, il manque clair, il manque de comprendre, les personnes. Tu es de faire point ça pour les amis internet. Et faut que nous rappeler avec Zami Internet une question. Corruption qui a fait en dedans pays, lycée en Chaïlou. Selon Samson et Beussia, sous Bopal, M. Samson Beussia fait qu'on est, l'explication, yon rapport que ILCC fait qu'on est, eh bien, rapport et concernant EDH là, qui fait sortir dans la période de janvier 2021, pour arriver dans la période de janvier 2022, côté institution ça, d'après sa responsable a dit l'explication, qui perdit environ 22 millions et 747 671 gouttes. C'est ça, homme de loi, fait qu'on est. Est-ce qu'on a des quantités comme sous, nous avons dit pratiquement, sous un échantillon de yon année, EDH perdit 22 749 671 gouttes. Ça veut dire chaque institution qui constitue, qui est en dedans de l'administration publique, là, y a fait yon déficit comme ça. Y a fait corruption comme ça. Et yo di ou, dans l'ONA, n'est quitté directeur et Jim Lee et Marc Jean-Baptiste, Arangel, sous prêt qui a fait yo, Blaise Peterson, li influencé yo, ou bien c'est lui-même qui utilisait des mondes pour faire venir faire prêt pour lui. C'est ça qui t'a fait. Non, SNGRS, n'est yo arrangé yo, non, SMGRS, yo arrangé yo, Blaise Peterson, pour voler l'argent dans la question gaz. C'est-à-dire, pas qu'il y a rien que n'est yo pas fait, je dis, hein, pour yo conserver. Pouvoir ou bien pour gagner l'argent. Ben, ILCC remet la justice sept dans le rapport enquête qu'elle menait sous 94 dossiers. La justice pral gagner pour mettre action publique en mouvement contre Mounzaï. A viol fleurant.
ancien ministre planification à coopération externe. Monsieur pratiquement fait des cabesses. Est-ce que monsieur pas passé sur Jovenel Privé? Oh, monsieur passé. Monsieur passé sur Privé, monsieur font bon nombre de temps sur Jovenel frère. Ah bon OK. Yeah, ah, monsieur pratiquement fait des cabesses. Monsieur Angel Blaise Peterson, là sont tellement et fait l'argent parti dans institution ça, yo parlé de plus passé 671 millions de gouttes que nèg yo rend disparaître et pendant période yo et dans ministère ça. C'est des situations qui a posé cette question. Est-ce que colonne monde ça parce que nous t'a regardé Aviol Florian qui te dit s'il arrive face à face avec bon Dieu. Mon cher, l'a dit bon Dieu désolé parce qu'elle a raté mission qu'elle te gagne. Parce que mission qu'elle te gagne c'était changer pays. Est-ce que c'est la corruption qui a changé pays? Est-ce que c'est ça qui a changé pays? N'enlever 671 millions de gouttes pendant période que passé dans l'institution. Et je dis à vous qu'on est dans la question de l'argent. Ce n'est pas la grâce pays voisin, ce n'est pas la grâce pays ami, dans qui ça qui Haïti t'a plongé. Et puis nous-mêmes, nous arrangeons en bas griffe nous. On va poser cette question. Nek sa yo, qui j'en petit yo, madame yo, maman yo, famille yo, zami yo, senti yo. C'est même ça, autant de Olivier t'a plaigné pour dire par rapport papa son route travail, papa le sénèque qui pas jamais passé temps pour travail. Et parce que papa le dit dans la politique, et yon pratiquement, gade tout bala pour ça, va affecter. Ben, faut qu'il affecte ou manger pour faut qu'on baille la purée. Yon dit situation difficile, ben, situation dans le pays, ya, autorité va souke quoi, dans tout niveau, parce que yon dit, c'est et zéro tolérance pour ça qui gagne pour avec question corruption, y a arrangé pour gérer question tolérance qui te gagne dans le temps avant. Diplomatie haïtienne, c'est la gade volant. C'est dans diplomatie haïtienne gade volant. Nèg yon arrangé pour baille et faux déclaration patrimoine pour kap volé. Les a rentré et les a sorti dans l'état. Nous avons payé pour nous sauver parce que nèg exam yo en pile fois yo disait par le gang, c'est nèg qui est dans politique, politicien yo, c'est nèg qui dans secteur privé des affaires parce que soit regarder, soit tande nèg yo qui a parlé, ou après qui a développé yon haine contre nèg yo dit qui dans secteur privé des affaires parce que en pile nèg ça au servi avec yo pour faire concurrence déloyale et moun sa blesse personne après si bandi a sa patte qui a mouri dans Bel Air. Qui a mouru dans Solino, qui a mouru dans Fort National, qui a mouru dans Badelma, qui a mouru dans Babetchose. Blaise Peterson, c'est qui pour lever la kéoué. Faut que nous arrangions pour nous dans le secteur privé des affaires, faut que nous arrangions pour nous dans l'élite politique pays pour nous chercher l'autre volant assassin qui est avec Blaise Cravate ou Blaise Peterson. Désir, ça va gagner la donne, puisque je dis en là, il y a pile mobilisation, il y a pile motivation et cap fait dans le pays. Et mobilisation, ça y est. Motivation ça yo désir venesse bagay yo encore pi compliqué que possible et si je dis hein, que peuple haïtien d'accord et comprendre et mandé pour que capable gen sécurité pour capable gen la paix dans pays hein mre di moun yo bagay la c'est ça parce que nous pas moi même m'pa konnen combien de temps m'rete a des ans qu'on a vive mais nous besoin que pays a bon semon sur la paix parce que pas oublier. Si moi ton 2 3 ans encore mon 5 10 ans encore, faut me capable vivre bien. Si côté miam de voyager, faut me tourner dans pays, me ka fait rentrer sorti, famille moi capable vivre cette frette. Je dis à nous bouquer nous à bout. Ba combien temps après pour nous résoudre ça. Mais ouais cette fois-ci, faut que nous résoudre ça définitivement. Ouais, m'a dit le vrai mot. Faut nous éradiquer question insécurité. Il faut nous déraciner le net. Faut nous déraciner. Et depuis que volonté n'a pas déraciné, c'est vrai qu'il prend nous des temps, mais n'a pas déraciné le début que volonté désir. Merci Desi Venès, merci avec chaque ami qui t'a suivi. Émission, et ça, sous mes sacs nouvelles, Blaise Info, Pain Nouvelle, votre Calbas Info, Racine Nouvelle Haïti, qui t'es content de parler avec nous, et m'a pas nous mentir Desi Venès, n'a pas dit amis yo. Ou même qui a peine tombé sous mes sacs nouvelles. Ensemble, Média Sayo, abonnez avec nous. Les vrais, il y a des gens qui nous a dit que. Opération pas seulement mener dans niveau Badelma. Opération pas seulement c'est barbecue certes, mais je dis hein, l'État à travers porte-parole a clairement dit que yo pas assez moyens pour ta permettre que yo mener opération sur divers espaces en même temps. Comment on veut dire? Ça veut dire il a essayé garder au fur et à mesure comment capable gérer une situation, un espace et après ça pour avancer l'autre côté encore amis internautes nous yo. Bye barbecue cette vidéo non? Désir, bah ouais, vidéo avec aujourd'hui. Ah non, bah, on est si monsieur, ça passe, non, bah, avec aujourd'hui, à Désir.
Barbecue semble un congé, Blaise Peterson. En congé. Force de l'audio a avancé avec force. Il a pesé sur accélérateur. Il permet que Barbecue n'a pas cassé. Et Blaise Peterson, CSPN, avec le commandement force multinationale, il a pas assistant Chita pour discuter sous meilleur moyen pour opération qui a mené dans le quartier Belay, Solino, Fort National, Badelma. Et Blaise Peterson, tant qu'il s'y allait. Divers bandits valent à des naissances. Gen yo pren ak tout zam nan men. Gen yo pren se second qui avec valise chargé cartouche nan do yo. Et la police qui décide qui te optimise l'ordre, qui te bay l'ordre avec monsieur yo, pou yo te camper, pou yo te déposer zam, leve men an lè, yo pa vle tande, c'est nan échange que yo y avec la police. Et bien la police, selon information yo, et en légitime défense, la police mette à cassant nan et mette si sou à cassant nèg yo mette six sou bonbon nèg yo jusqu'à présent opération yo a avancé les personnes département d'état américain montre que yo nan situation très difficile nan question financement mission kenyan nan en dedans pays d'Haïti parce que ensemble pays sans doute qui te fait promesse les personnes yo pas répondre et ben ça permet tant que sou dit là y a réfléchir qui jan yo ka transformer mission ça en une mission onisienne qui ka permettre que rejoigne plus bon qui choye. Blaise Peterson nan conseil gouvernement premier ministre Dr Gary Kony te réalisé nan date 3 septembre 2024 là et bien yo décidé et importance que yo gagne yo mette Blaise Peterson. C'est dans ça qui vient pour avec bataille combat contre insécurité a. Son premier ministre te dit nous pi près au lieu de plus loin. Malgré le qu'on est pour résoudre problème de sécurité à la prend si temps. Il y a un combat qui l'ensemble d'un pays a contre corruption, contre grand banditisme, eh bien ILCC continue à troubler sommeil nek ak femme rodinité qui te fait partie administration publique qui te détourné en pile l'argent des invitations. Nous pas complices. Écrit et situation qui a passé là. Li décrit comme un bon pas surtout dans décision ILCC prend pour traquer, pour voir devant la justice, yon ensemble personnalité qui était dans l'État, qui blanchit, on paquette l'argent, nous pas complice, bat bravo pour ça, nous pas questionner, qui Jean, yon bat bravo et pour qui ça, yon bat bravo, et à partir de qui ça, yon bat bravo. Pour efficacité, bataille contre corruption dans le pays d'Haïti, li dépend des révisions, décret 8 septembre 2024 qui était créé ILCCA. C'est peut-être ça, li important pour nommer yon monde compétent. Sans parti pris, honnête, comme chef institution SILA, ak yon mandat pour au moins 10 l'année. Li nécessaire tout pour garantir indépendance la justice. Nan bay et commission, nan bay commissaire gouvernement, yon mandat 10 ans tout, yon capable de continuer à faire travail yon les personnes. Modèle situation qui gagne en dedans pays, li paraît très difficile, li inquiétant. Blaise Peterson, les États-Unis prennent très au sérieux. Trois gros taureaux qui dans le conseil présidentiel transition dans le dossier scandale corruption BNC. Quelques temps avant visite Anthony Blinken dans le pays d'Haïti, chef diplomatie américain, assistant secrétaire d'État américain ou émissaire l'Ouest dans les États-Unis, et Brian Cold, lui pratiquement Blaise Peterson encourager autorité haïtienne immédiatement. Yon enquête pour établir responsabilité conseiller présidentiel yo nan escandale corruption si la. La vizibar la papiti. Bara pon l'autre dimension, Blaise Peterson. Songe, Anthony Blinken a rentré pendant journée nan pays d'Haïti. Li pratiquement a bien pour le rencontrer avec premier ministre Dr. Gary Kony. La bien pour le rencontrer avec actuel coordonnateur président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Sous qui ça va discuter, sans doute c'est sous question scandale corruption, sous question sécurité, insécurité qui gagne dans le pays et exigence pour élection organisée Blaise Peterson. Et songez, Anthony Blinken pas prêté dormir en Haïti. Là, bien pour le fond coup tête en République Dominicaine, tout selon information qu'en jeune Blaise Peterson, bon côté, ensemble confrères à conseil nous, cap fouillé zo dans Kalalo. Blaise Peterson, SNGRS, SMGRS, c'est une institution qui implique dans cas scandaleux, EDH impliqué dans cas scandaleux, PNCS impliqué dans cas scandaleux, ONA impliqué dans cas scandaleux, même Jean diplomatie haïtienne qui chargé corrompu qui la dans beauté l'argent tout partout pour arranger les affaires pa yo, même déclaration
et patrimoine que moun sa ou bay, c'est faux déclaration patrimoine. Dans l'opération que la police a mené aux blessés personnes, il n'y a pas seulement vu des bandits à terre, mais l'opération permet que yo marie des nègres qui pratiquement entrent dans le trafic de drogue ou vendent avec bandits. La police a arrêté Ronald Toll pour trafic de drogue. 3 septembre passé, force l'audio et mettait la patte sous Toroa dans Ricapoua, dans Port-au-Prince. Agent BLTSO joignent une quantité importante de marijuana en possession qui estimait à 32,5 kg de marijuana. Qui côté d'avoir la velle, pour qui est-ce qu'il a pour tel, qui s'est d'avoir fait avec, et dans le moment, en plus le monde qualifié comme moment et fragilité là, pour qui ça c'est dans le moment, nous c'était gain marijuana dans le et pour le traverser avec les situations. Jusqu'à présent, la police a frappé, non, non, pas yo, depuis yo, et kembe bandi, yo kembe nek kap travail pour gang, et bien yo bagne l'autre bagay qui yo fait yo, et n'a rappelé, gain plusieurs policiers pendant semaine qui sont écoulés là, qui pratiquement arrêté. Et qui t'a fait partie des groupes gang, les personnes pour barrer les sons, ou dire tout l'autre policier, pour pas rentrer dans la gang. Si vous rentrez dans la gang, c'est un mauvais chemin que vous faites, les personnes, avec les amis internautes qui branchent tout partout. Commissaire, gouvernement, juridiction, c'est Macla. Maître Vincent François, qui réagit sur un rapport que Fondation Géclairé, FJKL, mettait dehors, qui responsabilisait commissaire gouvernement dans le cadre et évasion qui t'a faite dans la prison civile et Saint-Maclan, 16 d'août passé à côté, t'as gagné au moins 14 prisonniers qui t'ont mouru. C'est information autorité officielle de la ville de Saint-Maclan. Et bien, RJKL vient avec un chiffre 19. Selon le commissaire gouvernement, il fait quoi? Vous voulez parler de maître Vincent François, il déclare que les personnes, c'est un rapport qui monitoring par voler tête, par politiciens corrompus qui ont la loi dans la juridiction, parce qu'il y a 10 ans depuis la servi. Mounio, dans la juridiction, il était substitut et il a 21 mois depuis le commissaire principal. Et bien, c'est ça qui à la hauteur qui permet que y a servi avec question invasion pendant lui-même, il pas même là et il voulait accuser la question ça des personnes. Nous allons analyser, nous allons questionner, nous allons regarder l'opération qui a mené pratiquement dans Port-au-Prince et l'autre sonio, pas oublier que Gandos l'a frappé tout. Toute zone qui a opération qui a frappé yo, dans le département nord, dans le nord-ouest, dans le nord-est, la police a frappé, la police motivée, on ne peut plus, surtout avec Vini. Les personnes et Normil Rameau comme directeur police nationale d'Haïtia ou t'a dit que policiers ont senti dans bien policiers ont senti dans poyo policiers ont senti confortable pour faire job la blessitation. L'autre ça qu'elle a pas ajouté des Irenes que bon côté pam c'est que notre journée qui était mercredi 4 septembre 2024 là n'a dit que des Irenes que un bien dans zone où elle alerte zone Bossamba Arena dans zone ça qui pas trop loin village de Dieu qui pas trop loin zone 1er 2e 3e 4e 5e avenue Bolos ben moun t'es capable tendre en pile coup de balle qui t'a chanté dans zone ça des Irenes et en pile moun t'es capable remarquer tout c'était plus machin blindé et ben qui t'ai présence on dit que et de policiers de soldats et des officiers kenyans qui étaient dans bloc là qui eux même t'a mené des opérations et pas des opérations parce que pas vraiment des opérations dans niveau et zone bisatunaire là mais en attendant que la police et l'armée d'Haïti officiers kenyans fait entrer sortir par rapport avec et ça cap gain là et ça cap passer en bas et n'a rappelé des Ivenes nous songer. Dans journée qui était mardi et 3 septembre non dans Riel Roi pas peu de choses gè plusieurs présumé bandi qui joine on dit qui va la dénonciation dans quatre interventions que la police a fait dans bloc ça et monsieur Yorivé est tombé et n'a dit désir selon ministre affaires étrangères haïtien madame Dominique Dupuy après que elle t'ait fait une visite et bon se participer dans des activités dans pays Brésil il rencontrer autorité dans pays brésilio et puis l'autre pays encore yo discuter sur situation Haïti et dans discussion que yo fait sur situation Haïti et même pays étranger ou bien qu'en pile là ou capable gagner ou tremper dans situation Haïti en tout mais yo dit au bouquet finalement faut qu'il y ait une solution qui joigne avec situation que Haïti a connait là. Faut qu'il y ait une solution qui joigne définitivement avec situation que Haïti a connait là selon ça au fait qu'on est. Et qui donc les que y a gardé ça qui a passé en Haïti là, yo quoi que Dieu qui volonté pour aider Haïti résoudre problème que l'a connait là et des problèmes pour résoudre définitivement pour éradiquer problème qui est là et ça existe là comme situation amis internautes nous. Et n'a dit clairement désir venez. Et zami kap gade kap tande la yo. Que selon ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy, il fait qu'on est que pays
Brésil dit li prêt pour aider l'État haïtien surtout dans contrôler les frontières nous yo, dans balbourat dans question droit nous yo, dans aéroport nous yo, parce que Brésil li son pays qui vraiment gen une spécialité dans question et frontières. Parce que pas oublier, selon ça, ministre Dominique Dupuy dit, en pile dans zam qui entre en Haïti yo, yo transité passé par frontière yo. Donc aider Haïti dans aider contrôler question Zama 4 jusqu'à votre dans pays, hein, li vraiment important selon sa qui tibon côté autorité yo, et selon sa qui tibon autorité pays Brésil yo, et qui dit yo prêt, qui dit yo paré pour aider Haïti, n'a permettre que yo gérer situation ça, parce que je dis, hein, et pas seulement almener bataille, contre question gang opération dans gang, dans base gang yo, mais tout fage de disposition qui prend pour contrôler, pour empêcher 24 potes Zama à cartouche pour pas rentrer en dedans ghetto yo, en dedans quartier populaire, parce que sinon c'est lavé mais essuie à terre désir Venesse. Mais ça c'est une grosse aide blessification et décivé frontière ou zam pas rentrer ou cartouche pas rentrer ou quand qui pigou avantage que ça a gagné blessification n'est que zam yon amé ou déjà Haïti pas fait cartouche si yon pas jouen cartouche zam yon pas même bien valet en roche. Ça veut dire un pays qui décide aider, qui décide bail support dans les frontières yo, non ve espace côté zam a traversé pour entrer dans pays a, c'est une support nous doit considérer comme gros aide qui a bail dans cas pour capable résoudre problème sécurité qui gain la belle situation. Désir mon quoi certé que zami k'ap gade émission ça dans moment qu'elle faut vérité yo k'ap gade sur écran en bas écran côté que kon vidéo qui viral sous li son vidéo la police qui en y répond en cap mener opération capable policier cap déployer et policier squad UTAC et BRI cap déployer dans plusieurs côtés. OK, Udmotou boy tout bagay ça. Et après dans même vidéo ça gon côté que qui écrit qui dit que la police là li pa la pagé pour exposer cadavre. La police là pagé pour exposer cadavre. Et c'est un message, au moins même d'oublier désir. N'apprendre que selon ça que n'apprendre de soucis, gagner une décision que semble CSPN n'en prend pour empêcher que son drone rentre en Haïti. Même dit drone, ça veut dire que un individu ou dit mais est-ce que un particulier acheter drone voyant en Haïti. Ça c'est une décision qui à peine venue nous de sous que nous faire confiance. Autorité dans l'État, à travers CSPN, y a peine prendre ici ça. Cette histoire comme si on est arrêté là, vous un drone, comme si on achetait un drone sophistiqué là, vous avant Haïtien, là, il y a un peu de restrictions sur ça. Parce que vous estimez que la question drone ISO, il vraiment pas être dérangé la police, non? Et il y a prendre de disposition tout pour vous et qui contrôle la question drone ISO. En pile froid mettez en les têtes force de l'audio. Bon, ça c'est des détails que on va pas rentrer là-dedans. On va juste bagaille. Quoi que Blaise, on croit que et tu gagne ensemble policier, tu gagne ensemble militaire dans l'armée d'Haïti qui t'a grand formation soit Mexique sous question ça. Il y a des moyens pour faire descendre drone ISO à utiliser. Il y a des possibilités pour faire ça. OK? Parce que c'est ça que fait Kenzi dans section communication la police là li besoin garder section communication en technologie qui va permettre que travail yo plus efficace et bail plus bon résultat. OK, pour moi même parce que c'est yon bonne décision. Si gen drone sophistiqué qui va rentrer en dedans pays a surtout dans moment crise li ta dwe c'est la police qui commande ou bien l'armée ou bien l'état qui commande n'importe citoyen pas ka recruter ou à faire commande des drones sophistiqués de longue portée et ça ou pas connait qui ça qui va faire avec. Et surtout nèg qui dans secteur privé des affaires qui arrange yo qui gen contrôle insécurité a nèg qui dans politique yo dans politique traditionnelle yo gen contrôle insécurité a et c'est même yo même qui arrange yo surtout dans volonté que la police gen là pour utiliser des moyens aériens pour capable permettre que la police et soit victime dans cette opération qui a mené pour démotiver les policiers. Parce que c'est CSPN qui organise, il est correct, et surtout sur le point de situation. Exactement. Et moi, ça m'a dit à des gens qui ont gardé la cap, vivre aux États-Unis, cap, vivre au Canada, cap, vivre la France, dans de l'autre grand pays toujours. Il y a des espaces
Il y a des espaces qui gagnent, ça ne relè, l'État contrôlé, téléphone, drone pas à voler. Il y a des espaces, je parle, par exemple, États-Unis. C'est comme États-Unis, vraiment, voulait impliquer dans la question de sécurité en Haïti. Il y a des appareils, si vous permettez avec force de l'audio, pour vous utiliser là, quel que soit drone que vous gagnez, les papes qui voulez. Par exemple, imaginez là, bon, par les nationales, drone ISO en les têtes, à contrôler comment USGPN a déployé. Non, mon cher. Ben, comme ça, mon cher. Les zones bois par les nationales, zones bois côté bois, l'État, ça ou en bas, c'est deux zones l'État. Ça veut dire, il y a mette restriction pour que rien n'y ait pas qu'à voler drone. Et s'il le faut, même téléphone, il n'y a pas qu'à utiliser. Et qui a pas pour ça? Et ben, c'est ça. Cap essayer de prendre comme des dispositions pour permettre que service de communication, je dis, hein, de policiers et de militaires qui tapent information dans le pays Mexique sous question ça, les que vous retournez et que vous êtes retourné pour que vous soyez capable de gérer la situation ça, les que encore vraiment, pour qu'il y ait des opérations musclées qui pourraient possible mener en bas. Désir, et je reviens avec plusieurs réactions et surtout avec question rentrée Anthony Blinken en Haïti. Hein. Parce que concerne nous, Sandra Lemaire qui fait un reportage sur ça. Bah ça va que casser les. Non, m'a vinn avec. M'a fait mon attendre, c'est prévu c'est mon attendre que c'est moi qui vinn faire débat sur lui. M'a vinn avec. Ce que Anthony Blinken a parlé des questions et toi nèg qui dans question conseil qui impliqué dans bagaille. Pour ça m'a fait comme débat là et comme approche que m'a c'est plein monde qui est d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Pas oublier, moi avec Desi Venesse toujours dit que la police pas gen mission touye. La police gen mission protéger ak servi. Mais nan cas que un individu décide pour pas couper en bas l'ordre force de l'audio, li décide rentrer nan tak au tak avec la police force de l'audio, laisse ça policier ou bien force de l'ordre là, li pa gen le choix que réagit lui-même. M'le moun yo comprendre ça très bien. Parce que notre création fondement la police là, mission c'est protéger ak servi. La vie moun ak bien moun. Elle dit la police a la poule touye par la poule et comme si détruit. Et ça fait après la police souvent parler, les quelques jeunes gars ou quelques présumés bandits qui tombaient. Yo parler au dou. Et malheureusement, c'est des moun jeunes garçons qui mortellement blessés. Elle dit c'est des bagages que la police les même tout en soi, les regrette ça arrivé hein. Parce que dans mission c'est pas pour touyer. Moi commence avec ça parce que moi connais il y a plein monde qui a fait débat sur vidéo ça. Que moi désir venais que ne pas faire dire ne pas venir avec vidéo parce que pour des raisons restrictions sur et que YouTube a bail même qu'a fait débat parce qu'en plein dans nous. OK, et nous avons remarqué plusieurs quoi jeunes garçons sans vie en dedans de Chablendi. Et jeunes garçons qu'on sans vie ça yo mais ça est français mais qui mourit. Et j'aime te dire tout à l'heure, ces jeunes garçons qui tombaient dans boucanté coup d'âme avec force de l'audio. Il dit, nego tap tiré avec la police dans zone Badelma, nego pas décidé de tempérer, et bien force de l'audio, on dit la police, l'armée, et puis et officier kenyan yo, nego réagit. Ça veut dire, force de l'audio réagit, et jeunes garçons ça yo même, yo rivé. Et mortellement blessé pour me répéter parole la police, policier. Et qui ça vous fait? À côté de jeunes garçons, ça ou après la police, Gedetex Cap dit que, on dit équipe jeunes garçons, ça qui n'a pas gardé qui mortellement blessé, nek yo, t'assemble gen yon fizi M4 qui te nan meyo. Bon bien? Et nek yo, t'assemble gen yon fizi M4 qui te nan meyo. Et nous capables de travers cette vidéo, ça yo, genye, qui yon même avec valise sous dos yo. C'est ça pour moun yo comprendre. Nan association, nan équipe là. C'est pas tout qui des âmes. C'est chaque bon mission ou fait. Chaque bon rôle qui ou joué.
et chaque tour capable un calibre zam qu'elle pote. Nèg ki pi solide là, nèg ki pi violent, li ka gen pi gros zam nan nan men parce qu'il ka manœuvrer. Gen nèg tout ki nan équipe là, li la pour pote chargé ki plein balle la dan, les que chargé nèg kap tire yan. Bal li fini, chargé bal li fini, rapidement li bal li courir à l'on chargé dans valise li balil pour le capable remettre pour le goumet. Ça dit nek ça, li pa gen mission pour tes âmes. Et mission c'est nek ça au second blesse. Bon, m'pa konnen m'pa konnen jargon yo. Non, moi c'est comme ça m'tande nek yo relé. OK, c'est la Tibonite chargé gang là dan. Et comme ça m'tande yo relé. OK. Ça veut dire que gen de nek c'est pour c'est comme ça. Gen nek kap pote valise sous yo. Gen nek kap fait antenne. Et ça n'est tout terrain. Genek valise qui dans dol là c'est cartouche qui la donne seulement mais gagne tout c'est chargeur qui la donne et après nek ça marche côte à côte avec nek qui gazam qui a tiré ça veut dire ça qui essaie comprendre selon en pile monde qui a essayé garder vidéo image côté jeune garçon ça yo qui en dedans chablende ça que force de l'audio. Après nek sa fin boukante kouzam avec yo et nek yo rive tombe et puis yo récupéré cadavre nek sa yo et yo récupéré zam ki nan men nek sa yo, c'est parce que la police dans mes forces de l'audio yo té en confiance côté yo té yon et yo rive prend cadavre yo et yo rive prend zam jaoudi en fizi M4 nan men nek yo. Yo pa selon ça m'apprendre et selon ça ki m'yon comme information. Yo pa pren un cadavre nèg yo pour montrer comme si et y a tout les bandi comme si pour comme si non et pas ça li. Yo pren cadavre nèg yo parce que yo estime que nèg sa yo à travers téléphone yo à travers ça ou te gen sou yo et zam ki te nan men yo y a capable utile force de l'audio avec ça ou ka jwenn comme information. D'ailleurs, n'a regardé à travers une vidéo là qui quantité et cartouche que la police présentait dans vidéo ça. Ça me moun yo comprendre bien. Comme si parce que pas oublier nous-mêmes nous là pour nous faire éducation moun yo. Je dis moi même toujours dis que moi contre toute forme de criminalité. Parce que criminalité en parle dans moi-même. Moi pour sécurité, pour la paix. Mais est-ce que je dis est-ce que peuple haïtien pour la paix? Est-ce que diaspora haïtienne qui lui-même pas dans pays hein et cap tant de ça qui a passé en Haïti et qui vient bien Haïti que le perdit, est-ce que je dis en lui même tout les pour que gain sécurité et les pour que gain la paix en pays? Moi je suis certain si me tap l'ouvri micro ici en là me tap joine en pile en octave dit blaise oui nous pour la paix oui nous pour sécurité mais kounya c'est comment que une capote couler comment une capable bail support pas nous. Parce que, et ça quoi, ouais, à moins de reprise que l'autorité a demandé mariage, police, population. Parce que, pour qui ça? Population connaît moun yo. M'a dit, c'est tout côté que population fondamental n'est yo. Non, ça me dit non. Mais il y a des côtés, population connaît n'est yo. Parce que, jeune garçon, qui est amené. Pas de côté qui gagne gang ou pas besoin yon et quantité de population qui collabore avec n'est yo. Livini automatique. Li pas volontaire non en pile fois parce que un groupe nèg qui gagne pouvoir de vie et de mort sous monde par rapport avec zam que yo gagne tant que si pas ou appeler d'autres garder dans l'Antibonite comme une petite rivière de l'Antibonite comme il y a un coup qui gagne absence la police là-dedans aujourd'hui a gang qui opéré dans espace c'est lui-même qui remplace la mairie c'est lui-même qui remplace DGI c'est lui-même qui remplace la justice c'est lui-même qui remplace la police qui ont pralvle pour population ça pas obtempéré en balode que gang ça baille. Je dis c'est faiblesse l'état qui permet en pile fois dans quartier côté gang yo yé gang yo révélé tout puissant bien tout pouvoir sur mon yo. Je dis l'état dit qu'elle restaurer autorité pour permettre que gang dispense gain pouvoir sous population qui a payé taxes qui jusqu'à présent a payé toute nèg dans l'état. Je pense que c'est ça qui correct. Je dis en l'état a cherché rattraper moun yo. Je dis en l'état a cherché rejoindre confiance, population t'est perdue dans force de l'ordre, quelle était la police, quelle était l'armée. Quelle était dans gouvernement parce que il fut un temps blaise. Ou t'as gardé les bandits ont parlé. Population compte plus vite quoi oui dans sa bandit dit oui que autorité oui.
Parce que nous avons ensemble l'autorité qui te chita sous promesse. Je dis à tout, population besoin, changez camp. Ok? Changez camp, arrangez pour changer camp. Si vous estimez que la vie vous menacez, vous avez un bagage pour faire. C'est quitter zone non. Parce que vous pas épanier, parce que non, ben là, vous avez un policier, vous avez un militaire qui est dans l'opération qui dit, vous avez un membre de la population qui a tiré coup de bouteille, vous avez un membre de la population qui est d'accord, ou bien qui joue une exigence pour venir participer. Ou père barbecue depuis le palais, il dit que peuple a arraché mon avec manchette pour lui parce que remel parce que moi même c'était mon vidéo côté monsieur Abjouré et David B on artiste monsieur Abjouré David B parce que David B te fait une opinion sous façon monsieur t'a essayé et aborder question et miscadé avec avec Pierre Espérance. C'est ça monsieur Blier, il parti David B. OK, elle dit si David B vini c'est pas même qui a prendre non, Badelma, c'est peuple qui a caprâché avec manchette. Ça veut dire que monsieur a confiance et confiance qu'elle gagne, c'est parce que monsieur pratiquement hypothéqué la vie mounio, il pratiquement gagne contrôle mounio en dedans et je dis à Bagala commencer à diminuer. Bagala commencer à sortir l'invitation. Mounio commencer à prendre confiance, quitte l'été Belin, quitte l'été Badelma, quitte l'été Solino, quitte l'été Babetchose, quitte l'été Front National. Population. Paris, population a collaboré. Et c'est ça qui permet l'efficacité de l'opération. Et population, pratiquement, besoin de continuer. Et l'autre zone, la police pour aller gagner, pour y aller mener l'opération, il y a besoin de prendre comme modèle. Moun Solino, qui jusqu'à présent rentrait dans le mariage police-population. Et ou contre qui côté mariage, ça plus belle, nous garantis sous blesse. Mariage police-population, la plus belle dans le département de la Tibonite. Parce que moun yo paré déjà. Et c'est habitude qu'il y ait. Moun yo qu'on habitué à faire mariage. Police et population pour déchouquer gang. C'est ça fait que nous dans le département de la Tibonite pas qu'attendre que direction générale recommande dans la police, hein, CSPN, hein, arrangé pour planifier opération dans le département de la Tibonite. Mariage là, Abdel en pile belle situation. Et même Jean Wenegap couri et dans Badelma, même Jean Wenegap couri dans Belé, Blaise, la Tibonite yo pas couri parce que gang ça yo, yo pratiquement fait toute zone qui entoure yo mal, tout le monde a vivre dans mal cité. Et résoudre problème gang dans le département de la Tibonite, il n'y a pas même prend en semaine. Tant que j'en ouais, opération ça, a fait tout le temps ça, Blaise Peterson. Nous avons pris la responsabilité pour marcher sur toute gang dans tout pays. Et moi, c'est ça, comme si je voulais que comprendre, parce que, on est là pour faire l'éducation, parce que nous, je dis toujours dit ça. Et je dis à tout le monde d'accord, admettre que, parce que mon gars dit, pour que ça cesse ma Badelma. Et l'autre côté, yo, bon, je pense que nous j'ai plusieurs fois l'intervention de la police américaine en jugeant. Monsieur qui expliquait plusieurs fois, raison qui fait que la police pas casse plusieurs fronts en même temps. Parce que gros problème ressources humaines en termes d'effectifs, gros problème tout et en termes de matériel, et qui permet que essayer d'intervenir sur plusieurs côtés en même temps. C'est pas parce que pas de volonté à nous, mais c'est parce que et moyen yo limité pour le moment. A dit moyen yo limité pour le moment. Mais Jean que monsieur te dit là, li espérer que non, peut-être qu'à Vinio, il y a commencé à gagner moins encore plus que ça et qu'à permettre que yo réponde adéquat avec San Rélé, ça qu'a passé là dans le pays. Mais moi-même, c'est que je dis, hein, motivation ça, que qui gagne, je dis, hein, est-ce que vraiment que les PM Gaïkouni te dit, l'État dit, ben Dieu, déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État. Et là que te dit tout, nous va faire tout tapement des bandits déposer les armes. Et qu'on les cas privé, bah là va commencer à changer phase. Est-ce que m'a dit la désir depuis mardi 27 d'août là, c'est exactement ça qu'a fait là. C'est là nous capable ouais clairement désir. Gon mobilisation, gon motivation kembe. Et c'est dans optique ça. Notre journée qui était mercredi 4 septembre 2000 24 l'an désir, gen un CSPN qui se conseil supérieur police nationale, qui gen la dan premier ministre Gaïkouni, qui à la fois ministre intérieur tout, qui gen la dan ministre justice, non, M. Carlos Hercule, qui gen la dan DG à la police Ramon Amil, mette avec de l'autre chaîne commande en de la police, non. Et te genye wo commandement force multinationale, non, qui te réuni. Dans le journée mardi, alors mercredi 4 septembre, dans le bureau ministre intérieur, Gaïkouni,
qui trouve dans le grand quartier général Chenmas, après midi 4 septembre, pour discuter sur plusieurs points qui liés à la sécurité et puis intervention force l'audio dans la bataille pour déraciner gang dans la capitale haïtienne. Ça veut dire, monsieur senti vraiment, l'aime dit monsieur force de l'audio, yo senti vraiment que yo sous bonne voie, que yo sous bonne route là. Elle dit que yo sous bonne voie et bonne route pour que yo capable jouer commencer joindre de résultats, commencer joindre de solutions pour aider résoudre situation insécurité gain là, situation misère gain là des jeunes. Parce que gagner économiste Thomas Lalim qui te bagaille. Les deux insécurité, ils sont catastrophes. Et même plus qu'on catastrophe naturelle dans le moment. Yeah, monsieur dit ça. Il dit, les plus qu'on catastrophe naturelle parce que tellement de conséquences, il tellement de impact, comme si nous n'avons pas à mesurer qui sa insécurité a fait là comme impact sur l'économie en désir venesse. Entre temps, désir, laissez-nous venir avec et visite ça. Que Anthony Blinken a fait, secrétaire d'État américain a fait, jeudi ça, et il a rencontré autorité haïtienne. Bref, invitez nous tendez et concernant nous Sandra Lemaire, qui est même de la Voix d'Amérique, qui a réalisé une interview avec Andy, sous-secrétaire et hémisphère dans les Caraïbes, M. Brian Nichols, côté que M. parlait en détail sous visite. Et secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Mais dans la visite ça, il y a abordé questions de sécurité, questions d'élection, et puis il y a gardé tout. Dossier 3 conseillers, Louis Gérald Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire, qui n'ont aussi cité dans des scandales de corruption. Je vais inviter à nous entendre ça, et moi c'est important pour nous entendre que ce soit des événements. Yon responsable replacé département d'État du VOA, secrétaire d'État Anthony Blinken pral voyager Haïti ak République Dominicaine semaine sa. D'après Brian Nichols, secrétaire d'État adjoint américain pour affaires hémisphère occidental, Blinken pral visiter Port-au-Prince 5 septembre pour faire chita tande avec premier ministre haïtien Garry Conille ak membre conseil présidentiel transition. Le secrétaire a réaffirmé engagement États-Unis prend pour appuyer peuple haïtien et puis j'ai fort pour établir sécurité avec la paix en Haïti. Le secrétaire Conille à conseil présidentiel transition va discuter tout son retour à Haïti sous chemin démocratie a besoin urgent pour organiser élections pour peuple haïtien qui a déterminé propre avenir palais. Nichols dit États-Unis reconnaître que Haïti prend mesure importante pendant mois qui passé yo met sous nomination yo premier ministre avec ministre cabinet li gen si progrès vis-à-vis insécurité a tant coup par exemple ouverture aéroport recommencement vol commercial yo et puis activité économique. Nichols dit mission sécurité Kenya menen ensemble avec la police nationale Haïti a fait progrès tout. Il dit nous constater une augmentation dramatique dans patrouille à coopération qui visait rétablir sécurité à consens normalité en Haïti. Pendant visite en Haïti, secrétaire Blinken va rencontrer chef MSS là avec PNH là pour souligner engagement États-Unis prend vis-à-vis succès. On va discuter tout sous besoin Haïti dans le domaine stabilisation, développement et assistance humanitaire. Nichols Pat répond directement aux questions journalistes posées par rapport à Guy Capouri pour dire comme quoi États-Unis a cherché converti mission MSS là à qu'aux forces traditionnelles maintiennent la paix l'ONU. When we had the opportunity to go to Haiti with Ambassador Linda Thomas Greenfield, nous avons eu l'opportunité de visiter Haïti avec l'ambassadrice Linda Thomas Greenfield. Le MSS là a commencé à déployer et puis faire constat équipement yo gagné avec base yo opération cap augmenté.
nous te wè progrès vis-à-vis sécurisé Haïti. Mais nous besoin wè progrès politique, engagement à conseil présidentiel transition. Priorité secrétaire, c'est assurer progrès continué vis-à-vis organisation élection. Donc, par rapport à ça, nous gagnons une mission qui est efficace, jam, et qui gagne capacité pour atteindre qualité progrès dans le domaine sécurité que le peuple haïtien mérite. Et n'a travaillé avec partenaires internationaux pour établir un cadre qui assure financement nous qui fait confiance et puis disposition à ces mouns pour mission. C'est une priorité et une mission maintient la paix officielle. C'est une façon nous t'as capable d'accomplir objectif ça. Mais n'a gardé plusieurs options. Nichols dit, département défense là, bail plus passé 200 millions de dollars pour construction, opération, ak logistique dans zone côté base MSS là située. Nichols dit, VOA, États-Unis continuent à encourager pays étrangers pour y contribuer l'argent dans Trust Fund MSS là pour courir mission en plus. Journaliste, j'ai demandé tout si secrétaire Blinken pral soulever question responsable conseil là qui indexé dans le rapport corruption ULCCA pendant visite li. Certainly the secretary will raise the dis-moi quoi certainement secrétaire pral soulever importance transparence par rapport à accusation qui gain pouvoir avec dossier BNCA. Nous quoi responsable haïtien yo doué mener enquête sur ça et puis traîner responsable devant la justice. Moi su secrétaire pral soulever question ça pendant li en Haïti. Après visite li dans pays d'Haïti, Blinken pral prend avion pour la République dominicaine pour rencontrer président Luis Abinader avec responsable dominicain yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Bon, nous dit peut-être bon moi prendre ça encore. Bon moi faire nous retendre ça avant que DC nous vienne avec ses commentaires par nous. C'est que mon qui est à peine connecté en retendre dans toute intégralité que interview alors reportage ça qui concerne Sandra Lemaire de VOA Creole qu'il réalisé et ce concernant visite secrétaire d'État américain Tony Blinken jeudi 6 septembre là. En retendre et ben c'est après ça n'a pour faire un dernier tourner nous pour nous retourner pour nous faire débat sur ça désir. OK, Nalvin Avel. Oui. You responsable replacé département d'État du VOA, secrétaire d'État Anthony Blinken pour voyager à Haïti avec République dominicaine semaine ça. D'après Brian Nichols, secrétaire d'État adjoint américain pour affaires hémisphère occidental, Blinken pour visiter Port-au-Prince 5 septembre pour faire chita attendre avec premier ministre haïtien Garry Conille. Ak mam conseil présidentiel transition. Le secrétaire pral réaffirmer engagement États-Unis prend pour appuyer peuple haïtien et puis j'ai fort pour établir sécurité ak la paix en Haïti. Secrétaire Koni à conseil présidentiel transition va discuter tout sur retour Haïti sous chemin démocratie ak besoin urgent pour organiser élection pour peuple haïtien qui a déterminé propre avenir palais. Nichols dit, États-Unis reconnaît que Haïti prend mesure importante pendant mois qui passé, yo. Mais sous nomination, yo, premier ministre avec ministre Cabinelli, gainsi progrès vis-à-vis insécurité, a, tant que, par exemple, ouverture aéroport, recommencement vol commercial, yo, et puis activité économique. Nichols dit, mission sécurité Kenya mené, ensemble avec la police nationale Haïti, a fait progrès tout. Il dit nous constater une augmentation dramatique dans patrouille à coopération qui visait rétablir sécurité à conscience normalité en Haïti. Pendant visite en Haïti, secrétaire Blinken va rencontrer chef MSS là avec PNH là pour souligner engagement États-Unis prend vis-à-vis succès. Nous va discuter tout sous besoin Haïti dans le domaine stabilisation, développement et assistance humanitaire. Nichols Pat répond directement aux questions journalistes qui ont été posées par rapport à Bouy Kapkouri pour dire comme quoi États-Unis a cherché convertir mission MSS là à une force traditionnelle maintient la paix l'ONU. When we had the opportunity to go to Haiti with the Il dit quoi là nous te gain opportunité visiter Haïti à l'ambassade de Thomas Greenfield le MSS là t'est commencé déployer et puis faire constat équipement yo gagné à base yo opération cap augmenté
nous te wè progrès vis-à-vis sécurisé Haïti. Mais nous besoin wè progrès politique, engagement à conseil présidentiel transition. Priorité secrétaire, c'est assurer progrès continué vis-à-vis organisation élection. Donc, par rapport à ça, nous gagnons une mission qui est efficace, jam, et qui gagne capacité pour atteindre qualité progrès dans le domaine sécurité que le peuple haïtien mérite. Et nous travaillons avec partenaires internationaux pour établir un cadre qui assure financement nous qui fait confiance et puis disposition à ces mouns pour mission. C'est une priorité et une mission maintient la paix officielle. C'est une façon nous sommes capables d'accomplir l'objectif ça. Mais nous avons gardé plusieurs options. Nichols dit, département défense là, bail plus passé 200 millions de dollars pour construction, opération, ak logistique dans zone côté base MSS là située. Nichols dit, VOA, États-Unis continue à encourager pays étrangers pour y contribuer l'argent dans Trust Fund MSS là pour courir mission en Piplis. Journaliste, yo mande tout si secrétaire Blinken pral soulever question responsable conseil là qui indexé dans rapport corruption ULCCA pendant visite li. Dis-moi quoi certainement secrétaire pral soulever importance transparence par rapport à accusation qui gen pouwè avec dossier BNCA. Nous quoi responsable haïtien yo doué mener enquête sous ça et puis traîner responsable yo devant la justice. Moi su secrétaire pral soulever question ça pendant l'en Haïti. Après visite li dans pays d'Haïti, Blinken pral prend avion pour la République dominicaine pour rencontrer président Luis Abinader ak responsable dominicain yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Désir, ma konnen sou konti a jou a fè parce que nous va venir avec ministre des Affaires étrangères haïtien Dominique Dupuis et sur question li même li parler de Brésil qui voulait envisager venir aider Haïti en tout, ba Haïti bourat parlant et pour capable venir avec ça, ma konn soit fonti a jou bien on ti et on dit appréciation bien par konnen de ça et sous visite Anthony Blinken nan, et de ça qui dit bon côté Brian Nichols nan. Bon, mais je crois que en pile fois nous vinn là depuis les annonces faites, n'a analysé et dit fois ça et quand comme devini bagala dépassé surtout dans ça qui concernait et scandale corruption dans conseil présidentiel transition que tes trois membres impliqués et soit dans exiger et président conseil d'administration et BNC dans moment avant eux n'a parlé de Raoul Pascal Pierre lui qui t'a dénoncé ça. Et l'autre bagaille qui dit dans la question, qui montrait qu'il y a quelques avances qui lui fait, c'est question et crédit 4 qui baille. Et Anthony Blinken, il y a quelqu'un pour questionner ça et pour demander transparence. Et ouais, et Brian, mettez accent sur ça, l'explication. Pour montrer que il doit aller à la justice pour lumière faite sous question. Ça veut dire, ce conseil présidentiel est qui censé pas exister encore, l'explication. Si vous voulez comprendre, pas oublier qu'il y a un conseil qui a 9 membres là-dedans. Qui gen 7 moun ki ka vote et 3 moun sa yo yo pratiquement fait partie 7 moun ki ka vote. Yeah, non, alors c'est oui 7 moun ki ka vote et puis gon majorité 5 qui dégage nan mitan encore. Oui oui. Et majorité de 5 là, gen 3 nan ex qui impliqué nan bagarre là. Bon, je tiens ou privé comprendre, nan majorité 5 qui a besoin, nan 7 qui gen droit de vote là, yo pratiquement 3 là-dedans yo qui aller dans scandale corruption. Qui vient rendre que conseil présidentiel là, lui trouver dans situation très difficile, même pour encore, et 3 avril 2024 là. Ça veut dire, ensemble décision qui pral vin prendre là, c'est soit tranché. Si y'a mette de côté, pour y'a cherché vérité, de toute façon, conseil là a bien problème quand même. Tout à mandé, mettez monsieur ça yo, on côté, pour nous réfléchir, pour nous chercher, pour nous mener enquête. Combien de temps que enquête a pral dire? Enquête sous corruption, li pratiquement gon long parcours, li yon long durée. Ça veut dire, pays a pral campé, il a obligé de retirer M. Sayo. Est-ce qu'elle pral faciliter, il a choisi trois autres monde pour venir mettre? Est-ce que c'est même parti politique Sayo, même organisation qui a voté ensemble trois braqueurs Sayo, si nous croyons ça, Raoul Pascal te dit, est-ce qu'il a pris trois autres braqueurs? Parce que Bagala Guinoua, c'est dans ADN parti politique, yo. C'est dans ADN organisation qui Bagala Guinoua. Parce qu'en pile, l'on est préparé, parce qu'on dit, il y a une ère électorale, il y a préparé l'élection, il y a cherché l'argent de toute manière, de toutes gens, il y a exigé pour l'argent sortir de tous côtés. Et nous garantissons, blesse personne, et ça, après Anthony Blinken qui vient sortir de Haïti, ou cap se dit, ouais, il y a des nègres.
qui te pote tête aller dans le conseil présidentiel là, des structures, organisations de partis politiques, malgré aucun des ministères dans le même, ou cap saisi ouais qui ont envie inviter population à venir prendre là, oui encore. On est à coup Moïse Jean-Charles. Ou cap saisi ouais, Timoy, cap mandé et pour population prendre là, parce que vous prenez la décision, qui va prendre la concerner, petite Dessaline, parce que Emmanuel Ventilleur, il fait partie, trois conseillers présidentiels qui pratiquement dans l'obé là. Est-ce que Claude Joseph a capté l'aria par rapport avec un dossier de justice, une question qui vient, est-ce qu'il a capté le fois ça, parce que il y a une responsabilité l'État de prendre là pour tout le monde qui a assumé terrain dans le pays, quel ténèque qui a cravate, quel ténèque qui a sapate. Même quoi qu'il y a la prendre direction très sérieux, et garder. Il y a tout que Anthony Blinken a vint là, il pourra le garder avec mission MSS1 et la police, parce que Normile Rameau a participé dans la rencontre là, a gagné responsable mission multinationale là. Gourfoué Otungé, qui est responsable mission au pays Kenya, qui a plat, il va discuter et puis et mettez devant Anthony Blinken, qui pratiquement c'est tant qu'on tout en dit, on a parlé ensemble, ou t'as qu'à dire c'est un petit Biden dans le moment qui a rentré en Haïti. C'est comme si c'est Biden qui débarque en Haïti pour venir prendre doléance. Ok? Pas oublier, nous parler des questions moyens aériennes qui permettent que opération efficace, quel est hélicoptère de combat, quel est drone tactique qui cap permettre opération yo ensemble ça sans doute yo pral sous table là devant Anthony et Blinken pour al côté pratiquement by et administration américaine nan, Joe Biden pour prendre décision sur ça et sous table là pas oublier que la fin sorti Haïti faut qu'il aille en République dominicaine pas oublier problème qui présenté là Amnesty International déjà ramené République dominicaine à l'ordre sous façon qu'il a traité compatriotes haïtiens, sans doute autorité qui pourra le rencontrer avec Anthony Blinken en Haïti, parce que qu'on est le bras de la République dominicaine, il y a gagné une doléance qui a baillé sous question ça. Et problème insécurité, que aussi que les armes qui traversent la République dominicaine, cartouches qui sont en République dominicaine par frontière, pour entrer là, la situation de Barry doute que ça a sous table. En nouvelle avec Dominique Dupuy, qui est même jeune dédié ministre des Affaires étrangères haïtien, qui était accordé une interview avec confrère Nouyo dans Radio Caraïbe, Télévision Caraïbe, qui matin, qui était mercredi et 4 septembre 2024 l'an, et qui parlait sous divers dossiers. On nous permet qu'il est capable d'attendre lui. Et un bon parti dans l'interview, parce que il est vraiment long, qu'il n'a pas attendu tout, mais on attendait l'essentiel de ça, qui dit bon côté ministre Anthony Blinken, alors ministre, pardon, Dominique Dupuy, qui est ministre des Affaires étrangères et d'Haïti. Et bonjour Caraïbes, bonjour à tout auditeur, auditrice. Yo. On a commencé d'emblée, depuis le gouvernement Gary Conny prend pouvoir, donc la presse et les gens considèrent que c'est un ministre qui est actif dans le gouvernement. Et première action où tu prends, c'était rappelé en pile. Oui, je me tourne avec ça. Je me tourne avec ça là. Et vraiment, je me tourne avec ça. Gary a fait premier pion sur la République Dominicaine. Bon. Une décision République Dominicaine, non? On regarde pour nous, on regarde pour nous. Il diplomate qui était impliqué dans des actes de corruption, présumé en tout cas. Et hier lundi, ULCC l'a publié et transmettre officiellement à la justice ses rapports côté demandé pour mettre Action publique en mouvement contre 13 anciens diplomates qui sont pensés dans des décisions comme ça. Alors, juste pour nuancer, rappel nous t'es lancé, nous n'avons pas préjugé personne. Donc, et le travail ULCC gain pour le faire son travail que l'a fait de façon autonome indépendante par exemple pas gain aucune communication entre ULCC et MAE pour nous connaître qui ça rejoindre qui ça pas joindre nous apprendre ni même genre avec le grand public que tu gain 13 anciens diplomates rappelés qui fait partie de monde qui pas fait déclaration patrimoniaux donc moi même pas gain opinion pour me gain par rapport à travail et yes, enquête ça qui est en cours d'ailleurs parce que ils ont insisté que c'est seulement premier et révélation que yo joine on connaît que gagne un travail là qui continuer gagne des documents que yo mandé nous partager avec yo et donc moi saluer travail ULCC faire et c'est pour ça au cas ouais tout que nous te font injonction pour nous mander tout et diplomate yo fait déclaration patrimoniale c'est ça la loi mandé yo et ministère là pas là pour le temps pour diplomate là faire erreur et puis pour après yo puni li li là pour essayer encadrer diplomate là au maximum pour éviter justement tomber dans erreur parce que ça qui est important pour comprendre et guerrier son bail comme toujours dit tout poste qui a un privilège vient avec responsabilité. Et moi-même, comme ancien chef mission, je dis que nous jouons un pile privilège, mais il y a un pile responsabilité qui vient avec poste là. Et il faut toujours un équilibre tous les deux. Ou jouer privilège là, mais ou répondre à la responsabilité, tant par rapport à pays que par rapport à la loi. Alors, le ministre a annoncé chez plusieurs réformes dans le ministère des Affaires étrangères.
pendant 10 installations. Je dis à qui j'en réforme ça, oui, qui j'en a pas avancé. Bah, c'est n'a bien avancé. Nous qu'à connaître, nous t'ai déposé des instruments juridiques et qui t'a censé adopter bientôt. Nous déjà gagné un premier retour de primature là. Donc c'est un signal que processus là en cours pour que nous quitter des bagages qui pérennes. C'est pas seulement faire une réforme dans action, mais son réforme qui a arrêté de façon pérenne et durable pour ministère là. Demain l'homme parle encore, c'est un nouveau ministre qui a bâti sous lit et créé un cadre légal tout côté diplomatique qui a rejoint tête yo. Pour c'est pas seulement et orientation ministre là qui décide direction ministère là, mais que ministère là en lui-même il a une fondation et on base qui permet tout diplomate connaît règles du jeu. Yo. Donc c'est un peu et là nous je pense que signal là très bien reçu par population hein. Et diplomate yo même c'est sûr que nous avons une période tout changement provoque une certaine instabilité, mais et ambition hein, et je pense que nous pas de décourager, il faut nous continuer. Ambition c'est justement pour que nous et tirer ça pas bon, qu'aimer ça qui voulait travailler, qui peut-être qu'a caché en bas ça qui a fait ça pas ta doué à faire et essayer mettre moun ça yo parce que nous gagne de très bons diplomates qui voulaient au service pays yo mais qui peut-être manquer orientation et manquer capacité pour opérer c'est tout. Et concernant plan 50-50, ça veut dire une sorte de égalité garçon femme dans diplomatie hein, vous sentez sous bonne route là? Comment ça a marché jusqu'à présent? Alors, ça, c'est pas une décision que moi-même j'ai pour me défendre. Recherche montre de pour mettre les femmes en position de pouvoir, de décision, processus décisionnel, li, plus en rapport avec qui ça qui est bon pour intérêt commun. Donc, là, on prend une femme dans la diplomatie, et pour mettre le chef de mission, ou rapprocher ou demander des questions d'État. Et ou éloigné de questions d'intérêt personnel. Donc c'est pas moi-même qui dis, c'est à travers un paquet de recherches qui fait qui montrait que leadership féminin a une capacité ça. Ça pas veut dire que garçon pas doué dans poste leadership, mais équilibre c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ou vienne servir en vision qui sont vision que nous doué défendre qui c'est égalité des genres que premier ministre l'a défendre de façon très sérieuse et nous elle dans égalité et des genres que lui montrer et dans le cabinet que lui publié a nouvelle dans le ministère régalien que lui proposé deux ministres femmes pour deux ministères régaliens et je pense que l'était normal et c'était bon moment pour que nous te fait place pour femmes haïtiennes yo et on ka di nous c'est pas seulement en Haïti que ça a bien reçu au niveau international ça fait un pile bruit de façon positive yo surpris et même au Brésil parce que nous pas arrivé sous Brésil sûrement tout à l'heure et Brésil yo dit mais nous inspirer, nous rencontrer des responsables Institut Rio Branco qui c'est académie diplomatique là, ils ont dit nous qu'on y a ou ben nous en bas pour nous suivre pour que nous arrivions à l'objectif ça à tout parce que mesdames yo gain place dans poste leadership yo et me penser que et jusqu'à présent il a fait preuve. Alors dans ça qui gain avec formation, nous avons annoncé que gagnion et partenariat d'Acadie entre académie Price Mass et Corpua. Et qui ça avance dans vos mains ça? Son protocole qui parle signé jeudi, nous très contents parce que le protocole ça parle permettre de nous faire un paquet de bagailles. Premièrement, il va renforcer l'académie hein, et il va permettre nous créer des mécanismes d'entrée dans l'académie hein, qui décentralisent, qui est équitable, qui permettent tout le monde de chance égale. Ou pas obligé Port-au-Prince, m'était annoncé le MT fait entrevue en la métropole que c'est un bagaille que nous voulons faire. Qu'on y a annoncé que le bras le fait dès aujourd'hui, il va officialiser. Côté que concours yo pral organiser par Corpua à travers tout 10 départements yo et bourse que nous recevons yo côté que c'est ministère là qui gagne pouvoir discrétionnaire sur qui est-ce qui bénéficie bourse yo ben nous pral déléguer et on partie autorité ça pour que nous décider ensemble avec Corpua parce que ça qui est important pour nous comprendre c'est pas seulement que nous dit Corpua mes responsabilités à mes ballons hein, c'est que académie vient faire partie à part entière de Corpua. Donc c'est une décision qui vient à faire collégialement et c'est ça qui est important. Ça veut dire il pas mettez sous côté dans parler de l'académie. Du tout. Au contraire, il vient et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux. Partenariat avec Corpua qui signé jeudi a son partenariat de fait parce que Corpua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions, il répond nous que désormais nous membres à part entière. Qu'il y a protocole là seulement défini des mécanismes de partenariat avec Corpua, notamment concours et puis et gestion boursière. Et aussi tout, et ça me très content de l'annoncer comme Monocap, et
et diffusion cours que académie a bayo notamment dans master que yo ka accessible dans université publique yo et c'est université publique du Nord qui pral première université qui pral gagner capacité pour li et diffuser cours ça yo. Donc ça veut dire un étudiant ou étudiante qui dans Nord il pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous même femme dit nous femme saluer monsieur Corbuya yo parce que particulièrement président qui présentait nous semaine dernière en vision très moderne de ça yo voulait faire en partenariat avec Académie Jean-Presmas là et notamment des cours à distance avec des professeurs qui dans diaspora qui fait des échanges d'expérience, des anciens diplomates, des sommités, yo vraiment gagne une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants yo et permettre yo rentrer dans l'air du temps. Alors lundi 5 août 2024 là dans nos ministères affaires étrangères ont soumettre 5 ou 6 instruments juridiques qui ont rapport avec réforme diplomatie haïtienne qui t'a dû adopter dans conseil ministériel. Comment ça a marché? J'aime dire nous déjà recevoir des commentaires préliminaires de primatiolan de services juridiques primatiolan et nous pral accommoder et il y a des remarques bien entendu très pertinentes. Et une fois que nous finissons avec ça, nous espérons aussitôt que la semaine prochaine, nous allons proposer des textes pour adoption. Dernier déplacement, vous êtes dans le pays Brésil, vous êtes dans la tête de délégation comme ministre des Affaires étrangères. Et quel est l'objectif principal et voyage ça? Et puis, qu'est-ce que vous venez avec pour Haïti? Alors, voyage là, tu as un pile objectif. Mais femme dit nous, je ne pense pas qu'en Haïti, nous sommes obligés de faire le cas que le Brésil est un pays qui est important dans la région. Hein. Et aujourd'hui, nous avons dit, c'est un pays qui est extrêmement important dans le monde, qui voit et nous tous connaissons le leadership président Lula. Et l'été important, si nous regardons les feuilles de route et le gouvernement qui publie, l'été important pour que nous regalvanisions le soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons, et son désengagement que parfois yo est qualifié de Haïti fatigue, parce que dit Haïti toujours en crise, pays yo dit que investi en Haïti, yo pa pou sa investi, et puis yo bay vague. Fòk nan même contexte là, ou gen environ 60 conflits dans le monde, 60 situations k'ap sollicité attention communauté internationale. Et parmi lesquelles nous connaît yon ki pi important c'est en Ukraine qui prend toute attention surtout et l'Europe, ou gen situation au Proche-Orient, ou gen au Moyen-Orient, excuse-moi, ou gen situation qui nan pays africain et là ou est Soudan par exemple et qui mandé en pile attention de communauté internationale là Haïti antigen invisibilisé blié. OK, l'été important pour que nous aller à la rencontre de pays nan région que nous senti qui t'a ka aider nous nan plaidoyer que n'a fait surtout à la veille de assemblée générale là pour que nous arrivions avec une position harmonieuse de cohésion, de solidarité régionale, pour que nous demandions corré effort que le gouvernement a fait en Haïti, pour que nous croyions insécurité, à grand goût et question sanitaire. Là. Donc, c'était. Il n'y a pas même de question que le Brésil était la première mission que nous allé là-dedans pour que nous mobilisions, pour que nous allions coûter tout, qui ça a fait avec nous, qui partenariat nous a dégagé, mais qui ça nous-mêmes nous a fait, qui puis bien tout. Pour que vous compreniez les besoins de la population haïtienne. Et je dis que je suis extrêmement satisfait de la mission, ça, extrêmement satisfait de la rencontre que je fais. Et ça, nous déjà connaît, qui est déjà public d'ailleurs, le Brésil communiqué sous lui, c'est que la coopération va être renforcée de façon considérable. Parce que ça qui est important pour nous songer, ce n'est pas seulement sur le plan sécuritaire là, pour nous avancer une fois, pour Kotli. Il faut nous avancer sur tout le plan à la fois. Donc, là où il y a un problème sécuritaire, il faut tout adresser le problème crise humanitaire que le pays a traversé dans tout département. Yo. Parce que nous connaissons que nous avons un seuil grand goût, un seuil de la faim que nous appartenons à un niveau sans précédent. Nous connaissons que nous avons des facilités que nous n'avons pas gagné au niveau de capacité pour nous répondre à la crise sanitaire. Tout centre hospitalier qui inopérant qu'on y a à cause de crise sécuritaire là, faut nous qu'a des partenaires qui aident l'État à renforcer présence li au fur et à mesure que n'avance sur plan sécuritaire là, parce que yon pa ka fait sans l'autre. Et premier ministre l'a dit tout le temps,
stratégie en pas que nous tonne que sécurité en régler pour après nous dire oh et pas nous gain tel problème et pas nous gain tel problème on avance sur tel problème nous obligé faire en même temps donc là regarder toute série rendez-vous que m'était prend yo c'était des rendez-vous pour relancer en coopération dans plusieurs secteurs qui ca permettre l'état renforcer pour prendre responsabilité dans tout pays pas seulement dans zone métropolitaine non il y a des projets que me tourner avec qui concernaient l'Antibonite qui concernaient le département du Nord qui ca permettre l'état renforcer au fur et à mesure que n'a fait des avancées dans le domaine sécuritaire là Organisation élection, c'est en tout cas mission fondamentale pour un gouvernement de transition, gouvernement Sako Ladalan. Moi, pour nous rencontrer avec le président tribunal suprême électoral brésilien, qui collaboration nous a espéré pour soutenir le processus électoral-là, pas bon ici. C'est une priorité absolue et réunion, ça a été extrêmement intéressant. Et moi, rencontrer avec le président là, et ça, moi, ouais, c'est que j'ai une soif. D'aider Haïti sur question électorale là, li promet nous en visite côté que li ka vinn re-rencontrer des acteurs parce que c'est un monde qui était là en 2010 après tremblement de terre là, qui était là en 2016